Bonjour. Bonjour, c'est votre commande ibérique. Ah oui, merci. Je vous souhaite bonne optique. Merci. Au revoir. Dis-moi, tu coches un perro. Tu coches un perro. Non, je plaisante. C'est parce que je pense à la femme. Clamé, c'est vrai. Et sinon, comme le dit le dicton, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Ou sinon, j'en ai peut-être mon rat. Kapunje, c'est tombé. Kapucho, c'est quoi. Et les clichés du genre, c'est à la femme de faire ci, à l'homme de faire ça, ne sont plus d'actualité, surtout avec l'émancipation des femmes. Taoute, Peranu Hata, Koyotun Sai, Koyotu Wolendai, Koyotu Tu, Koyotu Wolendai, Tashinu Note, Pechotu, No Pechon Sai, Yinso Yotoya. De ce que moi j'ai pu voir aujourd'hui, la femme Mong a bien évolué. Kupo Hata, que Pechon Sai, Mong Nuna, Yemon Pensike, Potsanjeha. J'ai trois grandes sœurs, et je peux vous dire quelles sont mes modèles. D'ailleurs, dédicace à vous, mes sœurs. Je vous aime. Elles ne sont pas comme nos mères, à s'occuper du foyer, des tâches ménagères, des enfants, ou encore à aller faire les champs de temps en temps. Elles ont fait des études. Elles sont indépendantes. Elles sont ambitieuses. Moi, pète moi, tout court. Et qu'on prend chapeau. Petit Jean, les petits en a. Tia, tu vas tout chez, je mignon. L'homme, moi, je t'y vois, t'es sûr. Faut qu'on ait chat. Faut qu'on ait chat, c'est mon client qui prend. D'ailleurs, l'homme moderne aussi aujourd'hui n'a plus besoin d'une femme qui reste seulement à la maison. La vie est de plus en plus dure. Et pour s'en sortir, il faut que les deux contribuent à la paix du ménage. Pechotulo, yeglongja le ha. Pochisamon kuileng, chisamon yoitunzai, nyochesu. Luneng tachinois, nyochinyo, kichiki. Yolendaite, ane yotushiko, shiba, poluneng sale mangeon. Prenez l'exemple du congé maternité. Avant, seules les femmes y avaient droit. Maintenant, les hommes peuvent avoir un mois de congé paternité pour aider leurs femmes. Mais Shaima, Tao Pichapapu, Yapa Yu Mignon, Mocha Ignoche, Tu Mignon, Apichotzi, Timocha Ignole, Etachinote, Ochochai, Tomichotzi, Yatonsu Isli, Bendal, Petsalepato Pichapapu. Pour moi, la place de la femme monte dans la société de demain. Et d'avoir les mêmes droits que l'homme, et vice versa. Pour moi, sans jonjon, t'es coupé à ta pétion tsai, l'opéton tout le monde, de tout moi, kiai y yango, y hata, oling poling. Dis-moi, pense que, quoi j'en dors. Don't go change it, trying to please me. You never let me down before.
familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Alors, si je devais changer quelque chose aujourd'hui, ce serait d'apprendre nos coutumes et traditions mongoles. Car avec le temps, ce sont des choses qui se perdent. Aujourd'hui, on a déjà du mal à comprendre et parler le mong. Par exemple, lorsqu'on a un père qui est chaman ou mekong, il a des connaissances qu'il partagera avec ses fils. Mais si ses fils ne veulent pas, alors le flambeau de la connaissance se perd. Et c'est bien dommage. En France, notre communauté mong est bien plus minime et moins développée que certains de nos pays voisins. Ça serait bien d'avoir des cours sur l'histoire des mong, nos langues, nos coutumes et traditions. Tout ça pour vous dire que si tous ces éléments étaient bien rassemblés, bien expliqués et transmis, on conserverait mieux notre culture mong. Que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, avec le temps, nos coutumes et traditions se perdent. Nyojong, kujong shia ta unjine toa nuno, kusahai, watchao, chonetsua tu. Veitia, neta opa, tia, tsauku. Wachoku, mwa shia hai lumung. Tia sakau, pe chau ka like chai mung. Kujong nifaki, tashi, kulu shia tia. Ku tioncha yon mung tia. Ciao. Bonjour à tous, je suis heureuse d'être là avec vous pour cette deuxième partie du concours. Et je tenais à vous remercier pour votre soutien et votre bienveillance. Grâce à vous, je me sens à ma place au sein de la communauté Hmong.
Et même si physiquement je ressemble plus à une Faki, sachez que dans mon cœur et dans mon sang, je suis Hmong et fière de l'être. Tout votre soutien me motive pour continuer d'apprendre à parler Hmong, même si pour le moment ma prononciation n'est pas parfaite. Le comité nous a demandé de vous présenter nos talents. En ce qui me concerne, j'ai hérité des talents de ma mère. Je suis passionnée par le dessin. J'ai toujours aimé dessiner, et ce depuis toute petite, mais j'ai vraiment pu m'épanouir dans ce domaine lors de mes études en art appliqué à Nantes. J'y ai appris plein de techniques de dessin, notamment sur le design. Tout au long du cursus, j'ai imaginé des objets innovants, des aménagements idéaux, et j'ai amélioré mes perspectives, ce qui m'aide aussi dans mes projets perso d'aménagement. Et de manière personnelle, j'ai essayé plusieurs styles de dessin et plusieurs techniques de mise en couleur. Et aujourd'hui, je préfère le portrait et le réalisme. J'ai fait un dessin spécialement pour ce concours. Et voilà le résultat. Hmong de France, c'est une communauté qui a su évoluer avec le temps tout en conservant ses traditions et qui a su transmettre aux plus jeunes ses valeurs comme le respect des anciens,
ses coutumes lors des événements importants de la vie, comme les naissances, les mariages et les funérailles. Mais aussi qu'elle a su transmettre son savoir-faire, aussi bien dans la gastronomie que dans la fabrication des costumes traditionnels. Et on y voit aussi la touche moderne apportée par les nouvelles générations, comme cette jolie tenue qui est actuelle et revisitée, mais qui conserve les magnifiques tissus Hmong. La communauté Hmong de France, c'est comme une grande famille dans laquelle chacun a sa place et où tout le monde est soutenu. Ce concours en est une preuve, on y voit la générosité, la bienveillance et le soutien de chacun. La communauté est humble mais puissante de par le lien qui nous lie tous. Et je suis heureuse de faire partie de cette communauté et de pouvoir à mon tour évoluer au sein de cette grande famille. Et j'espère que ma génération et les générations suivantes se rendront compte de la chance qu'on a d'avoir une culture aussi riche, surtout pour les métisses comme moi qui ont une double culture. Dans un monde utopique, je souhaiterais bien sûr qu'il n'y ait plus de guerre ni de haine dans le monde, qu'il n'y ait plus de famine ou de maladie, et que tout le monde soit en paix et heureux. Mais de façon plus réaliste, si j'avais 3 souhaits, en premier, ce serait que nous sortions de cette crise sanitaire, qu'il n'y ait plus de coronavirus, ou en tout cas qu'il soit moins dangereux et dévastateur, et qu'on ne perde plus personne à cause de ce virus. Mais aussi, qu'on puisse se retrouver comme avant, voir nos proches, assister à des événements et retrouver une vie normale. En deuxième, je souhaiterais que nos traditions, nos coutumes et le savoir-faire Hmong continuent d'être transmis aux générations futures. Et que ma génération et les prochaines se rendent compte de l'importance de savoir d'où l'on vient et la chance qu'on a d'avoir une culture et une histoire aussi riches. Que l'on puisse transmettre nos valeurs, les valeurs de nos anciens, à nos enfants. Et en dernier, j'aimerais réussir dans mes projets personnels, faire un travail qui me plaît, si possible dans l'art, fonder une famille unie comme l'est actuellement la mienne et continuer à rencontrer de belles personnes. Nyo jong shadai na yo jong xie de ku ta lon jin mon no na yo mon no ku yo e jong ho pe ku ta lu jai lu nyong lu xie hai o mon ngi o jin jing hai ta lon ji pe tu tu don na lo yo pe tun cai gong zuo o mo yin de zao ke xi tu nyo to song no na yo xiong no pe ku yo avoir du monde pe ku moi pe ku gong de da lu comité lo moi Pacha la yo, au corps complet pour, d'autres tout, d'un trait la yo, l'eau,
tu 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 Donc je voulais vous remercier à tous et à toutes d'être là ce soir. En tout cas, sachez que ça nous fait très plaisir de pouvoir faire un live qui n'est pas le live Sister Bayo. Live, non, c'est un live spécial pour notre Miss et Mister Mong. Donc je voulais vous souhaiter la bienvenue. Encore une fois, sachez que on est très ravis d'être parmi vous ce soir. Et ce que j'aimerais vous demander, c'est de prendre quelques secondes de votre temps, d'appuyer sur la petite touche partager, partager, partager au maximum de fois sur votre page en public, d'aimer cette vidéo, de nous commenter des petites choses marrantes, positives, et on compte sur votre soutien, surtout le soutien de tous les Hmongs de France, de la Guyane aussi, peu importe d'où vous êtes. Donc on aimerait bien avoir plus de monde possible. Sachez que d'ici quelques instants, je vais vous donner l'occasion de pouvoir poser votre question. Que kuma yo tu sai da yo ku poi te i play ku tia ne ne shang de to te ne ku yo shao qiu qiong na yo que ku pa leng te te ku sai tu da na yo il est à vendre il est à vendre i play ne ma non yo i play no donc d'ici quelques secondes je vais l'appeler il va nous rejoindre sur ce live et on va pouvoir aller à sa rencontre et ensuite on viendra à la rencontre de notre Miss Mong virtuelle qui sera la suivante et après yo ku jong shong xian na yo Tu écoutes mal le playing game, non, yo? Tu écoutes le gong, ben écoute ça, tout ton chat, écoute ça, ça, ni l'ou d'alou genre, ni mon l'ou chien, le gong, ben yo. Tu es mon nom, yo, que yo hai on de, que yo, tu es tout l'or, yo. Je voulais vous préciser que ce soir, ça va être du Hmong, français. T'es genre, yo, hello, mika, la kumo, t'es genre, hello, kedou, la kumo, yo. T'es, t'en es, on y est, t'si, hello, t'es un Hmong hip hop person. Là, yo, si vous êtes français, qu'on parle, un peu plus mon que français. Et j'espère que vous nous excuserez pour cela. Il faut savoir que même si payons mon, que nous sommes mon, pétoignons loin d'où, pétoignons chez le tzou, n'ayant, t'es payon, payon, mon, paki, paki, mon, chichon, t'es genre, couché, main, là, comme Et on va faire de notre mieux. Donc on espère qu'on aura, on continuera à avoir votre soutien, que ce soit tout de suite là jusqu'à la fin de ce programme. Ça va être un programme qui va être très rapide, mais je pense qu'avec votre soutien, il y a rien de mieux. Le soutien, il y a rien de mieux, et je pense que chez nous les Hmongs, je le dis très honnêtement, le soutien, il y en a besoin. Le soutien, nous savons le faire avec nos proches, pourquoi pas le faire avec d'autres. Donc je compte sur vous. Au monde où il y a Charles Moore, ton échec de nier, le cœur comme dans 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 Alors, c'est parti. Bonsoir, bonsoir, Depuis que tu as été couronné Mister Hmong virtuel, ça nous n'a pas ça, Lichal. Nous n'a pas Lichal. Ce soir-là, rien que pour ce live, oh là là, je suis un petit peu stressé. Hein. Vous me donnez trop d'énergie là. C'est un petit peu trop là. Mais en tout cas, ouais, je suis très content et comme. Comme il a dit, bah du coup, alors du coup, c'est pas très stable. Je vais essayer de trouver quelque chose pour caler ça. Vas-y, vas-y. Bah, je suis très content d'être ici parce que déjà, rien que pour le live, merci pour l'invitation pour le live. Et comme, bah, comme voilà, merci. Comme tu l'as dit, ça va être du Hmong français parce que il faut bien que notre chère Miss Coralie nous comprenne aussi quand même, sinon ça sera un petit peu dommage pour elle. Et même pour moi, que tu sais, halou mangeant tes halou mine des sueurs, tu vois. Oh, tu t'entends, on peut l'appeler cool à haï, ça c'est autant des sueurs. On est à l'empêche de toi, comme on est d'ailleurs. Halou mon facteur, tu es là, 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 tu es là
Y a pète, tiens, j'en ai manqué, si tu n'y as pas, tu n'y as pas, tiens, j'en ai manqué, pète, comme ça. Et donc, si on reste scotché qu'en étant manque, ça ne marchera pas en vivant dans un autre pays. Donc, bien Oui, sûr, bien voilà. vivre dans un pays, il faut savoir s'intégrer, il faut savoir aussi, parfois, savoir se porter un peu comme eux et pas être trop, j'en ai un credo, là, il y a ça, credo, et voilà, tu l'as vu, coup. Il y a le père, du coup, hello, il y a le grand loup, il y a le temps, hello, d'ailleurs. Il est gentil, tu vois, il y a aussi un problème dans notre sens, ça, lui, tu vois, ceux qui parlent français, qu'on parle un peu plus le monde que le français, restez avec nous, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de mon mieux de pouvoir traduire 50-50, enfin, faire de mon mieux. En tout cas, j'en ai rien d'ailleurs. Et j'en dis que j'en chien et je la compé. Et j'en dis que j'en chien et chal moi, y a pas, ou y a pas tout mis sa main ou la compé dans mon anaya. Que mon la compé, t'es coucou ça, coco. Moi, en paix, seconde, en paix, y en a-t-il là. Qui est-ce que tu crains, t'es là. Qui est Colombé, t'es Caloussin. Et j'en dis que t'es non, d'ailleurs. Puis, t'es, j'en ai couru Colombé, t'es Caloussin. T'es chez Kuna, t'es chien, d'ailleurs. Je vais laisser cette occasion de pouvoir te présenter parmi nous ce soir. Je te laisse Eh la bien, parole. bonsoir à toutes et à tous déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je m'appelle Charles, moi. Du coup, vous m'avez élu Mister cette année. Je vous remercie tous encore. J'ai 25 ans depuis peu. Je travaille dans la restauration, je suis serveur. Voilà, je suis une personne aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très positif. Je rigole tout le temps, je suis toujours dans la bonne humeur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut parce que... Avec toute cette crise sanitaire, tous ces, c'est la période froide. En plus, je suis un petit peu malade aujourd'hui aussi. Je suis un petit peu enrhumé. Je ne sais pas si ça s'entend, mais voilà, c'est ma petite présentation du soir, on va dire, hein. Et voilà, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein, en bref, C'est pas voilà. mal. C'est ça, moi. C'est pas mal. Oui, il y a encore quelqu'un qui chatte et qui a Jean-Chiette et comment le faire. Colin, tu es peut-être mon oreille. Tiens, on voulait en savoir un peu plus, c'est-à-dire le nom, le prénom, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et on va pourquoi pas continuer avec des questions. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas, je te laisse libre à toi de me poser tes questions. Est-ce que Jolie Mika, are you ready for it? Comme vous êtes ready là. Il y a la règle, l'enlou, Pas trop, mais bon, allez, on va essayer. Mesdames et messieurs, elle a compris dans mon ordinateur. Est-ce que vous êtes prêts pour les questions-réponses pour notre Mister Mong? Si vous êtes prêts et prêtes, je vais vous donner l'occasion, l'opportunité de pouvoir poser des questions. Allez-y. On veut voir les questions, toutes les questions que vous voulez, mais pas trop. Ça va être une question. Et écoute, ça pas d'ailleurs, des questions trop personnelles. Je pense pas qu'on va aller jusqu'à la limite, mais je vais vous Au laisser. personnel, je ne répondrai pas. Hein. Mais de ça, Salika. Donc, quand tu fais la combattée, le sapin se coule la combattée. Alors, une petite question de Sadako Mong. Qui est ta sœur préférée? Ah. Du coup, j'ai trois sœurs. J'ai pas trois sœurs préférées. Mes trois sœurs, je les aime autant qu'elles sont. D'accord. Et comme on a vu sur la vidéo, c'est celles qui t'ont soutenu pour participer à ce concours, c'est bien ça? C'est vraiment mon plus grand soutien pour ce concours. Elles m'ont vraiment aidé de A à Z. Et voilà, j'ai pas grand-chose à dire à part merci à mes grandes sœurs, quoi. Merci à toute ma famille d'ailleurs. Ah bah je te comprends tout à fait. Moi aussi j'ai des sœurs et c'est la même chose. Elles me soutiennent à fond. Le coup de pied, il y a toujours le coup de pied. T'es chargé, t'es la lame là, d'ailleurs. T'es chargé, t'es chargé. Tu Heureusement sais qu'elles quoi? sont là Et d'ailleurs. quand tu es là, tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu es là, il y a un lao là. Là, c'est la Ah ouais, tchandasse. okay, On continue ensuite avec une question d'Emily Yang. Maintenant que tu es Mister, as-tu reçu plus de succès auprès des filles? Bon. attention. Alors pas spécialement, mais c'est pas un... On va dire que je vais pas prendre ça pour mon avantage. Alors déjà de une, je tiens à préciser, je suis déjà pris. J'ai déjà et Koutoumou et Toulonga, hein, j'ai déjà une copine. Et je prends pas ça par je prends pas ça comment dire ça à mon avantage pour justement pour ça. Très bien, très bien. Donc On continue aussi ensuite avec une question de Kelly David Yarayan. Pourquoi as-tu voulu participer au Mister Mong? alors, pour commencer, déjà de base, je voulais pas du tout participer. Vraiment. Voyeur, Après, tort. on a notre chère dame Isa Mae Young, hein, je sais qu'elle est là sur le live.
qui est venu me contacter directement sur Instagram et qui m'a demandé tout simplement est-ce que je voulais participer, que j'avais le potentiel pour, que voilà, on faisait ça pour s'amuser. Que... Donc après, moi, je me suis dit, j'ai pris ça pour le fun, j'ai fait ça pour le plaisir de le faire, parce que c'est la première fois que je participe à un concours. Donc je me suis dit, pardon, excusez-moi, que ça serait bien d'y participer, de voir ce que ça donne. Et au final, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que voilà. Je remercie vraiment nos trois drôles de dames pour avoir fait ce concours, parce que sans elles, je pense qu'on n'aurait pas eu tout ça. Et voilà. C'est grâce à eux trois. Et du coup, aujourd'hui, je suis très content d'être là où je suis. En tout cas, ça fait plaisir que tu parles du comité. Ça fait plaisir aussi de voir que tu as pu apprendre beaucoup de choses et que tu as sûrement évolué mentalement, même de toi-même. Tu as pu apprendre beaucoup de choses aussi et surtout faire de bonnes rencontres. Il faut savoir que, comme je disais avant votre concours, je soutenais les gens à participer. Ce n'est pas juste pour le titre, ce n'est pas juste pour le fun. Il y a beaucoup de choses, tu as beaucoup d'options qui peuvent t'apporter plus de choses pour avancer dans la vie. Et surtout une chose, c'est une expérience que tu pourras raconter à Côte Mignol. Et attendez, d'ailleurs, quand on est couillé avec, Ah on oui, joue c'est en sûr. gagnant au Quintia. Couteau quin, couteau chutant moussin, doa, couteau ça, moussin. Là, c'est là, t'as Ah coucou. Moi, cadeau pour l'année, t'es pour moi. Oh, le comme cadeau, j'en gagne l'année, t'es. Quand t'es y'a comme moussin, t'es couteau rien, couteau con, t'es couteau chicareux. T'es couteau oui, bien essayé. C'est un nom, quand j'en ai vu, quand j'en tiens, pour parler du comité, c'est vrai que coucou, trois croix, tiens, le comité, trois dos de dame de là, pardon, trois dos de dame de Ah vie, tiens. Tiens, le chichi, genre, tiens, le moelleux, le chien, le tiens, l'oignon. Pour faire ce concours-là, c'est vrai que ça prend du temps. J'ai fait partie des associations aux États-Unis. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps de réflexion, enfin, le tout. Mais c'est vrai que plus il y a de monde et plus tu peux réaliser des choses. Et c'est vrai que nous, les Ah mondes de oui. France, on en a énormément besoin de choses comme ça. Parce qu'il nous manque, des événements, il nous manque des choses de ce type-là. Et c'est vrai qu'en tout cas, je voulais les remercier. Je sais qu'elles sont là ce soir. Et je voulais vous remercier, je voulais vous féliciter. C'est grâce à vous. Sans vous, et bien sûr, après le public et aussi les candidats, et ainsi de suite, il y a peut-être un sponsor. Tiens, mon père, c'est moi cadeau. Tiens, Ah oui, les tiens son sponsors nom, d'ailleurs, d'ailleurs, merci. mets-moi un nom, mets-moi Vraiment son nom, merci à mets-toi tous les sponsors cadeau. aussi, hein. Exactement, tu as Parce quand même un que... temps, t'es tiens, oh, comment? On a quoi? Ji, t'as pire d'ailleurs, tu as t-shirt, ji, t'as d'ailleurs. Ji, coulou chien, tiens, oh yo, cadeau dans les dents, y'a plus la bouche, c'est mal, tiens, le chien, Non, bravo. mais vraiment, les Et cadeaux, donc voilà. c'est vraiment incroyable, hein. C'est tous les jours, je rentrais du boulot, j'avais un nouveau colis. Et d'après ce que Isa m'a dit, c'est pas fini. Donc bon, C'est pas fini, je pense, j'en fais là, beaucoup non. de temps. J'ai c'est Oui, et j'ai c'est vas-y, vas-y, ah, vas-y. j'ai pas entendu. Tu m'as dit quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Non, je disais qu'on voyait les photos défiler de vos cadeaux. Et je me suis dit, attends, 1, 10, 20, il y en a plus que ça. Je pense qu'on va avoir plus que ça. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas forcément posté mes cadeaux, mais que je tiens à le faire. C'est juste qu'en fait, j'attends vraiment de tout recevoir pour faire un global. Ouais. Ça va vraiment être, je pense, super de vraiment montrer tout en même temps et de voir qu'en fait, à quel point vraiment les cadeaux, j'en ai vraiment énormément en fait. J'ai un gros soutien de la part de la communauté. J'ai vraiment beaucoup de cadeaux. J'ai tellement de cadeaux que je ne sais plus quoi en faire Tu n'as plus carrément. J'en ai trop. Il n'y a plus de de place. place. Quand on sort de votre chignon dans notre compte et tu m'envoies des cadeaux aussi, toi, tu partages un peu. Ah oui. Y a Et comment non, il a vraiment les tout sponsors, là-haut? c'est super. Y a comment il a Ah tout? ouais. Quand ça, il a tout Non, vraiment, il y en a vraiment beaucoup et je remercie vraiment tous les sponsors parce qu'ils font vraiment, là-haut. ils donnent leur volonté déjà pour nous envoyer des cadeaux. Ça leur fait plaisir, ça nous fait plaisir et ça fait plaisir à toute la communauté, je pense. Et c'est grâce à eux tous, enfin à vous tous en tout cas, qu'aujourd'hui, on en est là en fait. Et ben, je remercie vraiment tout le monde parce que vous avez vraiment fait un très très gros effort sur ça. Et voilà, je tiens vraiment à Exactement. remercier vraiment tout le monde. Bah, ce concours, tous ces sponsors et même les candidats, enfin Les la caisses, globalité vraiment de tout, ce ouais. concours, ouais, ça montre que on peut le faire aussi en France. Je Ça me montre permets qu'en de le fait, on dire est parce que vraiment beaucoup en j'ai eu France. l'opportunité d'aller vivre aux États-Unis et j'ai beaucoup vu là-bas. Ça fait plusieurs années que je suis rentré. J'attendais un moment comme ça. Et c'est de se dire que se faire
La globalité de ce concours, avec tout ça, tu dis waouh, enfin quoi, enfin il y a quelque chose qui, en plus c'est en ligne, c'est même pas face à face ou en réel. Enfin c'est réel mais en ligne, tu vois ce que je veux dire, derrière la caméra. Et donc de Ouais. voir tout ça qui peut se faire en ligne, derrière la caméra, tu dis en vrai ça va être encore mieux quoi, encore mieux. Et Ouais, donc mais vraiment. après pour dire, il y a des choses qui ne vont sûrement pas plaire, mais on peut pas plaire à tout le monde. YouTube King, YouTube, Ah t'es non, qui oui, en c'est deux sûr. finis, là. Mais personnellement, je pense que la probabilité, je donnerais une très très bonne note sur 20. Je ne dirais pas combien, mais elle mérite une très très bonne note. Ouais. On va continuer avec On les attend de voir ça. questions. Alors là, j'ai Oui. quelqu'un qui me demande, est-ce que tu continues à écrire des sketchs My Name Moi, pardon, car on a hâte de te suivre à travers tes vidéos, d'autres vidéos. My Name Moi. Oui, bien sûr. Alors, dites-vous que les sketchs, c'est un petit peu long. C'est vraiment un très gros travail. Oh Et oui. je ne travaille pas tout seul, du coup. C'est vraiment, je le fais avec la famille. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si le public, ça vous intéresse. Donnez peut-être des idées pour que justement je le fasse peut-être en sketch. Ça peut être bien. Donnez des idées, on pourrait en prendre pour voir ce que ça donne. Et maintenant, ben, moi, je vais essayer de sélectionner pour voir si je peux le refaire en live ou en live en vidéo. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un très gros travail, c'est long à faire. Et bon, en fait, c'est comme tout, hein, c'est le travail. Si on ne travaille pas, on n'a pas le résultat. Donc le résultat, pour le faire, il faut travailler. Et c'est un petit peu dur. Hein. Malgré que je rigole C'est pas beaucoup, fourni quand quand il faut être un petit peu sérieux, c'est dur. Hein. c'est sûr. Mais en tout cas, oui, ça va venir, ça prendra peut-être du temps, mais bien sûr que je referai des vidéos, il n'y a pas de problème sur ça. Exactement. Ouais. On attendra ça avec impatience de voir des petits sketchs, des petites vidéos. Je pense que tu auras beaucoup de soutien. Même moi qui a regardé ta vidéo, même là, on a regardé, on a re-regardé ta vidéo. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je suis en train de péter de rire. J'ai ma maman qui est à mes côtés, là, on rigolait, j'étais chut, chut. Donc, Parce qu'on c'est m'a vrai posé, on m'a que. beaucoup dit, on m'a beaucoup posé la question, vu que tu étais habillée en fille, que tu étais dehors, etc. Quelles ont été les remarques en fait? Par exemple, qu'est-ce que les gens ils ont dit, comment ils t'ont regardé? Et comme je disais, bah, en fait, le regard des gens, en fait, si tu regardes le regard des gens, tu feras jamais tes idées de ce que tu as en tête, en fait. Donc je me suis dit, Bien bah, écoute, sûr. j'étais avec ma sœur qui me filmait, je dis, bon. On comptait faire ça, on va le faire. Il n'y a pas de, peu importe ce que les gens disent. En fait, dans tous les cas, malheureusement, dans cette société aujourd'hui, qu'on fasse quelque chose de bien ou de mal, on est souvent critiqué. Donc, autant le faire, en fait. OK, Il oui. faut pas, Bien il faut pas y sûr. réfléchir et on y va. Et on y va. Et si on aime, on aime. Si on n'aime pas, ben, ah bah tant pis. Next. Voilà. Mais sache Donc que tu as maintenant, du je l'ai fait. soutien. Je Voilà. sais pas combien de personnes te soutiennent, mais tu as du soutien. Tu peux compter sur moi, sur notre page, sur le comité et pas mal de monde qui est là ce soir. Je pense que tu as un talent pour ça. Personnellement, je te le dis face à face. Enfin, moi, je suis pas devant la caméra, mais tu as du talent et on espère voir plus que ça dans le futur. On espère que ça Oui. passe, c'est terminé avec la dernière vidéo qu'on vient de voir tout à l'heure. Et là, on va continuer avec une question de Mia Love You. As-tu un projet particulier à réaliser dans ton futur? Un projet particulier à réaliser? Bah alors, pas forcément. Peut-être juste m'améliorer dans mon métier, en fait. Parce que du coup, comme je vous dis, je suis restaurateur, je suis serveur. Vu que je suis serveur depuis un petit moment, je me suis dit pourquoi pas monter juste les échelons, en fait. Et vu que c'est un métier que j'adore, les gens ont beaucoup tendance à me dire, Charles, il n'est pas timide, Charles, il est comme ça, Charles, il est foufou dans sa tête. C'est juste parce qu'en fait, j'ai le contact client, je l'ai tous les jours et je reste moi-même. Et en fait, si je ne suis pas moi-même, les gens, ils vont me reconnaître et ils vont se dire, Charles, t'es pas toi-même. Donc en fait, Bien sûr. quand t'es pas toi-même, ça se voit. Exemple, Oh je vais être oui. sur le recul, je vais pas parler, je vais être timide. Et en Exactement. fait, non, pas du tout. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très sociable. Tu viens me parler dans la rue, il n'y a pas de problème. Après, si c'est. Viens pas m'embêter faut pas venir m'embêter, c'est tout. Mais si tu viens me poser des questions, comme ça, je suis quelqu'un de très sociable, il n'y a pas de problème sur ça. Mais après, voilà, c'est. Donc, en gros, pour répondre à la question des projets forcément à venir, non, pas forcément. Donc, c'est par rapport à mon métier. Peut-être m'améliorer dans mon métier. Et ensuite, les choses, elles viendront avec le temps, je pense. Écoute, j'ai ça avec Yoponi, tellement mignon. Hello!
Ah oui, peut-être, j'avoue, c'est vrai. Oui, bon, déjà, avant Quand se tu vois le marier, temps, parce et que... quand il y a une Avant... quand je vais revenir, ça répond pas. Oui, non, après ça, ça viendra avec le temps, il n'y a pas de problème sur ça. C'est, faut pas se Exactement, précipiter. On a le temps, je suis encore jeune, exactement. j'ai encore de l'énergie, faut être sûr de soi. Et j'ai pas envie de me lancer dans ça si je suis pas sûr de moi déjà. Si je suis pas sûr de moi déjà, je pars déjà d'un mauvais pied. Et j'ai pas envie. Exactement. Je veux Je suis tout partir à d'un fait bon d'accord avec toi. pied, ma tête haute, sûr de moi, et comme ça, quand je serai prêt, bah, ah ben vous serez au courant si vous saurez que le Mister 2022 sera marié. En tout cas, ça fait plaisir de voir que tu es là pour répondre aux questions et ça fait énormément plaisir de voir que pas mal de gens sont là pour pouvoir en savoir plus à ton sujet. C'est vrai que c'est bien de dire Charles-moi, Mister Mo, mais c'est bien de savoir connaître la personne. Et je pense que tu restes toi-même. Je ne te connais pas personnellement, mais ça se voit que c'est naturel, donc ça fait très plaisir. J'ai une autre question. Tout à l'heure, on a eu l'occasion de revoir la vidéo que tu as partagée pour le concours. En revenant sur la vidéo et en revisionnant la vidéo, qu'est-ce que ça t'a fait? Ou alors, ça se trouve, tu l'as déjà vue plusieurs fois, je ne sais pas. Ah, je l'ai vu plusieurs fois, après, c'est sûr. Mais de la revoir, ça me redonne beaucoup de sourire parce que je me suis dit qu'en fait, bah, c'est grâce à cette vidéo-là que du coup, bah, tout le monde a voté pour moi. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Et je vois qu'en fait, bah, ça fait toujours autant rire les gens, en fait. Donc, je me suis dit, en fait, bah, cette vidéo-là, je l'aurai toujours dans ma tête, je l'aurai toujours dans mon cœur, en fait. Parce que c'est cette vidéo-là qui a fait qu'aujourd'hui, je suis sur le live avec toi. C'est pour ça Qui a fait le que. buzz, faut dire, qui a fait le buzz, hein, faut Voilà, c'est. dire. Voilà. C'est que ça a fait un petit peu de buzz. Je sais que le premier soir, je me rappelle, j'avais dormi à 2h, 3h du matin, tellement qu'il y avait eu de likes et de Waouh. vues. Enfin, j'avais vu au moins 500 likes quand je suis parti dormir. Et je me suis dit, mais en fait, c'est énorme, c'est incroyable, en fait. Et vraiment, je me suis dit, en fait, bah, en fait, la communauté, elle est vraiment là et elle soutient vraiment à fond. Et c'est ça qui a fait que bah, ça m'a donné vraiment. Plus de courage, même mentalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que mentalement, enfin, j'ai découvert beaucoup de choses en fait. J'ai découvert qu'en fait, on avait beaucoup de sponsors, que la communauté, elle est très très grande finalement, qu'on a beaucoup de soutien. Exactement. Et que, exemple comme toi, comme nos trois demoiselles d'honneur, notre famille, je sais que tout le soutien est là. Nos sponsors, je sais très bien que si un jour j'ai une question personnelle à dire à un sponsor, je sais très bien qu'il me répondra. Et je sais que tout Bien ça, sûr. c'est vraiment la communauté, elle est vraiment là et on est vraiment tous soudés ensemble et c'est ça qui est bien aujourd'hui. Et c'est ça qui fait plaisir en fait. Bien sûr. C'est Bien qu'on est sûr, je tous suis là tout à en fait d'accord fait avec et toi. voilà. Donc voilà. Y a-t-il quelqu'un pour une petite dernière question? Peut-être une question qui a rapport avec autre chose, je ne sais pas. Je vous laisse l'opportunité de nous écrire plus de questions. Peut-être la dernière pour ce soir. Peut-être une question piège, peut-être une question gnou-gnou à l'arrière. Ah là là là, J'attends vos pas trop questions. de pied, mais attention. Selon les filles, il a dit nos trois demoiselles d'honneur, my name. Des Nos trois questions, drôles oui, de non, dames. oui, non. Il y en a qui raillent, il y en a qui croquent question, il y en a qui croquent question. Moi, j'ai une très bonne question, mais je préfère mieux vous laisser l'opportunité. Je pense que vous avez besoin de savoir, en savoir plus sur notre Mister Mong. Moi, j'aurai tout l'occasion, donc je vous laisse l'opportunité. Une question. Allez, y a-t-il quelqu'un? J'attends plus de questions pour en choisir une. Jean-Line est à ça, moi, d'ailleurs. Soyez pas timide, on est tous derrière notre écran. Regardez, on ne me voit même pas. C'est pour ça que témoin pense que c'est bon. Alors, donc vous, c'est pareil, vous êtes derrière votre écran. Tant à moi Vous avez juste à cliquer là. toc, 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 à décéder et c'est parti. Bonjour, bonjour pour les personnes qui nous rejoignent comme Bétimois. Si tu devais faire quelque chose pour la communauté de la part de Joséphine Moi, que ferais-tu? Si je pouvais faire quelque chose de la part de la communauté, c'est une bonne Ouais. question, ça. Si je devais faire quelque chose pour la communauté, que ferais-tu? Ça, c'est une bonne question. C'est une question que j'aurais peut-être pas forcément réfléchi. C'est vrai que nous avons l'eau non yon Ouais, non, non, mais yon c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, du coup, c'est vrai. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, ah, c'est vrai que ça, c'est une question. Comment je dirais ça? Bah, je pourrais faire plein de choses, mais ça dépend quoi.
qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que la communauté... D'ailleurs, ben, moi, c'est une question-réponse. Qu'est-ce que la communauté voudrait que je fasse pour améliorer alors? Ouais, quand à l'école, je leur ai quand il y ouais, quand à l'école, je leur ai quand on peut t'en le... Question piège, hein? Tu te poses une question, une Mais oui, en tout réponse, cas, tu oui, aurais j'ai une réfléchi à question cette question. Un outil plus de twerk, quoi. Un outil. Bah, ça, je l'ai déjà fait sur le premier live. Là, quand tu vois que j'ai eu un ma hype, tu as quand tu as crié un peu au hôtel, tu as dit que tu as Faut venir en privé, ça. Faut... C'est pas dans le live que ça se passe. Faut se voir en vrai. Alors, j'ai une question de Sylvie Bédi qui est très intéressante. Je reviens dessus, deux petites secondes. Elle demande, que dirais-tu pour convaincre les garçons mongs de mettre plus de costumes mongs aux fêtes, au Nouvel An, etc. Bah, c'est vrai que même en parlant de ça, moi aussi, j'en mets pas forcément souvent, mais c'est une chose que je devrais vite y remédier parce qu'en fait, bah en fait, ça reste nos coutumes, ça reste nos vêtements. Et si nous-mêmes, on s'y habitue plus, en fait, on ne saura pas le dire plus tard à nos enfants, nos petits-neveux, nièces, etc. Et c'est vrai que c'est très important de le mettre. Ne serait-ce qu'aller jeter le ballon, pas, etc. Ça, c'est. Oh, l'avant, tout ça, parce que c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils font, bah souvent, ça y est, les jeunes aujourd'hui, c'est souvent, c'est la fête, c'est boire, j'adore boire, hein, je vous le dis honnêtement, je quand tu as sûr. Mais après, c'est, oui, c'est, tous les garçons, hein, je sais que vous aimez tous boire, hein, attention, mais je sais que oui, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes mongs aujourd'hui qui viennent dans les Nouvel An en disant oui, bah, on est mongs. Et après, quand on leur dit est-ce que tu veux porter une tenue mongs, ne serait-ce que, je dis une bêtise, ne serait-ce qu'une demi-heure, une heure pour que tu sois fier de le porter, en fait. Et souvent, il y en a, ils déclinent. Alors, je ne sais pas pourquoi, par contre. Mais c'est vrai que c'est les motiver, bah, on a beau les motiver comme on peut. Malheureusement, leur motivation, c'est dans leur tête à eux. Et malheureusement, bah, après, si tu n'arrives pas à motiver les jeunes, tu peux pas faire autrement, en fait. Mais tous les garçons et filles qui me qui se aujourd'hui qui m'aiment bien, on va dire, si vous êtes fan de moi, là pour le prochain nouvel an, faut tous venir habiller en mong. Vos parents seront fiers de vous. C'est sûr, c'est sûr. Je pense que porter Donc la voilà. tenue, c'est une chose pour soi, mais c'est aussi une chose pour ses parents. Je pense que Ah oui, ça quand tes nous parents mais vont au ça nous Nouvel An et représente. qu'ils voient leur fille ou leur fils porter la tenue mong et en train de lancer la balle, je pense qu'il n'y a rien de qui peut les rendre plus fiers. Il faut le dire. Hein. Ouais. Chez nous, c'est un peu, je ne sais pas si c'est tabou, mais je dirais que dans le sens où les parents ne viendront pas te dire je t'aime ou alors je suis fier de toi, mais tu peux le voir dans leur regard. Tu peux le voir et je Alors pense que que c'est... juste porter la tenue Ouais. mongue et lancer la balle, je pense que c'est une chose qui peut la rendre fière déjà, en tant que quand il y aura Ah tout oui, le non, monde derrière. mais c'est très important, ça. C'est vrai que ne serait-ce que dire je t'aime ou... Que, enfin, dire je t'aime à ses parents ou qu'à contraire, dire je t'aime à ses enfants, c'est très important à l'heure d'aujourd'hui. On ne le dit pas forcément, mais si on le dit, ça fait encore plus plaisir. Et les parents, aujourd'hui, ils ne le montreront peut-être pas, mais ils seront très fiers de vous. Sur les Moi, coachs vraiment, au début. Jada. Ah. Oui, vas-y. Moi, au début, sur la... pour la vidéo, en fait, comme je faisais mes sketchs, ben, en fait, ma mère, elle me disait souvent, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais tout un talon? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Et au final, à la fin du concours, quand je lui dis, ben maman, je vais gagner, eh ben en fait, elle rigolait, mes deux joueurs, en fait, elle rigolait. Elle a C'était. dit, Elle moi rigolait, ouais. là. Elle rigolait, elle disait, oh là là, Elle mon fils, il a a gagné, etc. Et... Bon, après, elle est partie un peu dire tu sais, à ses copines des États-Unis, etc. Oh, coucou, tout, tant y est, oh, après, je... oh là là. En fait, finalement, elle est très, Mais très c'est fière. ça que je vais te dire, Et les regarde la parents, ils ne preuve. montrent peut-être pas, mais La elle est preuve. très, très, très fière. T'as vu, ça c'est une preuve de ce que je viens de dire juste à l'instant. C'est que quand on a le beau, le chichoua croyou, tiens, le chichoua, il y a le n'y a pas de soutien. Mais quand il voit Ouais. que tu fonces dedans et que tu y vas et que tu réussis encore mieux, c'est là où ah, ça c'est mon fils, hein, tu vois. Donc Ah, c'est savoir là, un peu. ils reconnaissent que t'es ton fils. C'est ça, c'est un peu la mentalité de Allah, il y a ton route, Allah. Ouais. C'est vrai C'est qu'il faut qu'aujourd'hui, que faut nous les s'y... jeunes, c'est ça. Ah oui.
Il faut pas qu'on baisse les bras et oh, mais ils me soutiennent pas ou ce sera là. Non, il faut se dire, ça viendra, mais il faut que tu continues à faire ce que tu as envie de faire, ce que tu Voilà. peux leur montrer que tu peux réussir. Et quand tu réussis, crois-moi, hein, celui que tu leur accordes, hein. Hey, ça c'est mon fils, tu vois. Donc, faut rester Ah. positif, faut aller de l'avant. Hein. Moi, c'est la même chose que toi, hein. Quand j'étais en 5, j'ai dit, allez, ma mère, elle est à côté de moi, elle me sourit. Hein, donc, je comprends que c'est très bien mon fils, mais elle le tue pas, tu vois. Donc, c'est un exemple. C'est bien qu'on en parle. Je pense que c'est très Oui. important qu'on en discute. Je pense que pas mal d'entre nous a vécu ou sont en train de vivre ça ou est tout touché. Hein, t'es, 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 t'es très touché. Et quand tu es touché, voilà, tu es haut que le pont. C'est le tien, alors le loup chéri, ça, d'ailleurs. On doit prendre ça comme ça. Ouais. Et je pense qu'on va avancer. Parce que les parents Jean. aujourd'hui, ils vivent pas comme nous en fait. Nous, on est jeunes, on a vécu enfin, on est né en France, on n'est pas né directement au pays comme eux. Donc eux, ils ont leur mentalité du pays en fait. Donc c'est forcément, ils n'ont pas la même mentalité que nous. Nous, on a grandi ici, on a été à l'école ici. Et en fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, on réfléchit pas pareil. Donc forcément, les parents Oh oui. parfois, ils veulent qu'on va dans leur sens. Et nous, on n'est pas forcément d'accord parce qu'en fait, vu qu'on est en France, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'intègre. Donc, on s'intègre par rapport à où est-ce qu'on est, par rapport à ce qu'on fait. Forcément, on Exactement. garde nos coutumes, on essaye de le garder en tout cas. Moi, je le dis clairement, je suis une personne, j'adore nos coutumes, j'adore le monde, j'adore les musiques mondes, j'adore tout. Mais c'est pas pour autant que je sais très bien le parler, je sais très bien le comprendre. Et aujourd'hui, c'est pour ça que dans ma vidéo, quand on me pose des questions, c'est pour ça que je dis ce que j'aimerais vraiment faire, c'est réapprendre le monde, nos kechai, vraiment tout ça, parce que parfois, il suffit que, exemple, une chose tout bête, quand on va dans un décès et que les personnes nous remercient, il faut dire des choses, mais ces choses-là, je ne sais pas les dire. Donc forcément, j'ai un peu de honte. Yo, Mais après, comme ton Laura, ben, il ne faut pas avoir honte, au moins ce que tu fais, tu participes, etc. Je dis oui, mais après, c'est des choses que, voilà, moi c'est comme ça que je pense et que j'aimerais apprendre plus. Maintenant, ben, ça, il faut que ça vienne des deux côtés, il faut que ça vienne de moi, bien sûr, en priorité. Si moi, je ne veux pas le vouloir, ben, forcément, je ne vais pas apprendre. Maintenant, si je le veux, c'est tout ben, ça autre viendra. chose. Ouais. Voilà. Exactement. Et ça, c'est vrai que il faut pas lâcher prise, il faut vraiment. Il faut être dessus, faut pas oublier nos kikai, nos coutumes. Et parce qu'avec le temps, ça se perd, malheureusement. Et Oh oui. pourtant, j'ai beau faire tout un tas en monde. Les jeunes, même s'ils comprennent pas, ils en rigolent aujourd'hui. Donc, au Oh final, oui, crois-moi, oui. voilà. Je suis un jeune comme tout le monde, en fait. Ça aurait pu être moi comme quelqu'un d'autre, le Mister. Donc, au final, il faut avoir le courage de le faire. Il faut pas baisser les bras. Il faut toujours avoir la motivation pour. Et voilà. Bien sûr. Bien sûr. Ensuite, là, j'ai Donc, une voilà. question de GoPro Chadayan. Nous chantons en pelu, tchao, écoute, couillon, non, lolo, et quand t'es chaîne, quand t'es le Chadayan. Nous, lolo, non, chant a été, tu as été élu, Mister. Vas-tu aider les associations ou participer? C'est-à-dire les associations? Oui, Ah les associations, oui. non. Bon après, ça peut toujours être quelque chose de plus en tout cas pour moi, parce que ça peut nous montrer autre chose déjà. Et même pour eux, je pense que ça peut faire plaisir en fait à la communauté de voir que, pardon, excusez-moi, de voir qu'on s'y intègre, qu'on aide un petit peu la communauté. Et je vais pas dire qu'on est là que pour ça, mais en tout cas, c'est sûr que moi-même, pour moi, si c'est l'occasion de voir plusieurs choses, bien sûr que je voudrais le faire, bien sûr qu'il faut y participer, c'est important. Je dis pas que je vais être dans toutes les associations, hein, je vais pas vous, Bien j'ai sûr, pas envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, je vais être là partout, je vous inquiétez pas, je serai toujours là. Forcément, il y a des fois où je vais vous dire, bah, désolé, je peux pas, désolé, je peux pas être là. bien sûr. M'en voulez pas. Alors, clairement, je vais vous dire clairement, c'est juste que je vais faire ce que je peux. Parce que malheureusement, c'est même si Bien je le sûr. veux, parfois, je ne le fais pas forcément. Donc, Bien oui, sûr. bien sûr, je vais faire tout mon possible pour que la communauté soit très fière de moi aujourd'hui. Que vous ne soyez pas déçus de m'avoir en tout cas élu en tant que Mister aujourd'hui. Bien sûr. Non, en tout cas, je suis fier Donc, de ce que tu viens de dire. Après, tu fais du maximum. Pourquoi? Parce que tu as une vie personnelle, bien sûr. Ta vie voilà, personnelle, c'est pour on ça. va dire, est même plus importante que ce titre-là. Pourquoi? Parce que dès que ce titre est terminé, ta vie, elle continue. Donc, c'est vrai que faut dire la Oui. vérité telle quelle. Ta vie est plus importante. Donc,
pense plus à ta vie. Et quand tu as le temps et la chance et le temps à te consacrer à une, deux, trois associations, tu y vas. Tu y vas et tu peux Voilà. faire, tu fais de ton mieux. Tu peux pas te dire j'y vais à 100%. Hello, tu as du travail à Voilà. côté. Hello, tu as ta famille. Hello, et encore, tu as Yuraya, tu vois. Donc, du coup, moi, en fait, il y a Ah deux, trois choses à ouais. penser. Faut être un peu, comment dire, radin et penser à soi, parce que c'est vrai que soi-même, c'est plus important que d'autres choses. Et ensuite, petit à petit, quand tu peux gérer les choses, tu vas à gauche, droite à gauche pour faire d'autres choses. Voilà. Donc, ça, Parce que si je dis oui à c'est très tout, bien de le préciser. je peux me perdre moi-même, en fait. C'est pour ça. C'est ça le Exactement, problème aussi aujourd'hui. exactement. Exactement. Une Donc, question pour revenir, je vais te donner deux questions, deux dernières questions. Une qui est ça personnellement marche. pour toi et une qui est sur la communauté Hmong. Celle qui est pour toi, j'aimerais savoir si tu devais te décrire en quelques mots, que ce soit positif et ou négatif, comment tu te décrirais en tant que Pète ou Mister Hmong, là, il y a tout Hmong, là, il y a tout Hmong, là. Alors, en tant que positif, comme je vous dis tout à l'heure, je suis une personne sociable, souriante. J'essaye de donner vraiment le sourire à toutes les personnes qui sont autour de moi. Comment je peux dire ça? J'aime souvent, enfin, je dirais, j'aime que rigoler. J'aime souvent rigoler. Toujours, je suis dans la rigolade, dans les blagues, dans les. Après, quand il y a des moments de sérieux, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que souvent, les personnes qui me connaissent, en tout cas, ils savent que je suis une personne. J'aime faire un peu l'idiot. J'aime même toujours, en fait, être. Pardon, excusez-moi. Être toujours dans le sourire. Parce qu'au final, quand une personne, elle est. Un exemple tout bête, quand je suis au travail et que je vois des collègues qui n'ont pas le moral, je les embête un petit peu, je leur dis deux, trois blagues. Et après, au final, c'est bon, le sourire, il revient. Et au final, c'est ça que c'est le côté positif que j'ai, moi, on va dire. C'est que j'arrive à redonner le sourire à des personnes qui n'ont pas forcément le moral. Et après, si toutes les personnes sont pas forcément d'accord avec ça, c'est qu'ils ne me connaissent pas forcément. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Après. ça, cachita, Les seules personnes qui me connaissent vraiment, je le dis encore, hein, c'est ma famille, mes frères et sœurs. Hein. Mes sœurs, elles savent surtout très bien comment je suis. Donc, si elles sont pas d'accord, coach, bien sûr. Exactement. En tout cas, c'est une très bonne qualité. Hein. C'est une très bonne qualité de savoir Voilà. que toi-même, tu saches qui tu es, que toi-même, tu sais ce que tu veux, ce que tu peux apporter à d'autres personnes, comme ça peut t'apporter à toi-même. Et si on parlait un peu des défauts, s'il y en a un ou deux que tu peux nous en parler, on aimerait Des que je regarde. défauts. Et là, on sait tous que personne n'est parfait, donc on aimerait en savoir un peu plus Ah dans oui, le non, des petit côté défauts. négatif, si tu en as. On a beaucoup de défauts, hein, en vrai. Alors, défauts. Alors, parfois, c'est. Bon, je sais pas si c'est vraiment un défaut, mais comme j'ai dit, j'aime bien être dans la rigolade. C'est parfois, je dis une bêtise. Hein, exemple, quand j'ai gagné le concours, eh ben, je suis parti voir mes potes. Je dis, voilà, regardez les gens, je suis devenu Mister. Alors, vous croyez quoi? Je suis plus beau que vous. On va dire, je me la racontais un petit peu, on va dire. Ça sort. Enfin, je dis ça comme un défaut parce qu'en gros, c'est. Comment dire ça? C'est mon côté. Je crâne un petit peu. Je me mets au-dessus de vous. Bon, c'était un peu dans la rigolade. Mais c'est vrai que parfois, j'ai tendance à le faire sans le savoir. Et les gens, en face, ils sont pas forcément d'accord ou ils sont pas forcément. Comment dire ça? Ils sont pas du même avis que moi, en fait. Donc, oui, forcément, j'ai des défauts. Personne n'est parfait, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, tant que vous êtes parfaite pour votre partenaire, homme ou femme, hein, en fait, c'est l'essentiel. Je sais très bien que je suis pas parfait du Exactement. tout, hein. Mais l'essentiel c'est que tu fais ta vie comme tu le sens et voilà. C'est sûr que demain quelqu'un te critiquera, que ce soit en mal ou en bien, on sera toujours critiqué demain en fait. Donc au final, Sûr. sois toi-même et en fait voilà, c'est les gens qui diront tes défauts, c'est les gens qui diront tes qualités et voilà, faut pas se dire ah j'ai cette qualité-là, bon ben voilà c'est ma qualité. Non, c'est faut quand même rester humble et se dire que bon ben si cette personne-là dit ça, c'est peut-être que c'est elle qui le pense. Parce que ce que les autres pensent, c'est pas forcément ce que vous allez penser. Exactement. Donc voilà, enfin défaut. J'aime bien dormir. Ça, je pense que c'est tout le monde aussi, c'est un petit défaut. Hein. Non, Parfois, c'est j'ai un peu parfait. En tout d'humour, cas, bon merci pour ton honnêteté. ben je dors. Merci pour ton honnêteté.
Ensuite, après avoir posé deux questions vraiment dures personnellement, j'aimerais en savoir un peu plus sur la communauté Hmong, c'est-à-dire si tu pouvais y a dans la communauté Hmong, je pense quand on parle de ça devient un débat. On ne va pas faire un débat, mais j'aimerais juste avoir ton opinion, c'est-à-dire la qualité de notre communauté, là où les qualités de notre communauté Hmong, très rapidement, et ensuite les petits défauts que tu penses qu'il s'est absolument à changer ou à revoir, mais sans débat, sans faire de débat. Donc, on ne fait pas de débat, c'est juste une petite question de curiosité, j'arrive même plus à parler, je me rattrape, et je pense que personnellement tout le monde aimerait savoir. Donc, je te laisse la parole pour répondre à ces deux questions. Ben déjà, alors les qualités, ben comme je dis, les qualités, c'est qu'en fait, si on suit pas forcément les lives comme ton live exemple à toi, si on suit pas trop les actualités que nous les Hmongs on fait, on ne sait pas qu'en fait on est vraiment beaucoup. Mais les qualités, c'est vraiment qu'on est beaucoup, on se soutient beaucoup. On a beaucoup de guests, de sponsors, on a les jurys, en fait, on a des qualités, mais vraiment, mais partout, partout, que ce soit en Guyane, en France, aux États-Unis, on est vraiment beaucoup. Après, si on devait parler que en France, c'est sûr qu'on n'est pas, on peut pas nous égaliser par rapport aux États-Unis, mais eux, ils sont vraiment, ils ont une communauté beaucoup, beaucoup plus dense que nous. Donc, forcément, on peut pas forcément comparer. Mais aujourd'hui, ben voilà, on reste des mondes et on peut très bien faire pareil, en fait. On peut très bien faire comme Bien eux. sûr. Il n'y a rien qui change. Et voilà, si eux, ils sont capables de le faire, mais nous, on est capables de le faire plein de fois aussi, en fait. Et c'est une très Bien grande sûr. qualité qu'on a chez nous, c'est qu'on est vraiment beaucoup, on se soutient beaucoup. Et voilà, il y en a tellement des qualités que, comme tu l'as dit, en fait, si on part sur un débat, ça va durer toute la soirée, en fait. Donc, en vrai, Ah oui, bien sûr. pas forcément grand-chose à dire. Voilà, les qualités, c'est vraiment. On en a beaucoup, les kétiaï, etc. Vraiment tout ça. On a des parents qui savent des choses, mais parfois on ne prend pas cet avantage-là pour nous, pour pouvoir l'apprendre à notre Bien tour. sûr. Franchement, ouais, des qualités, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Alors lesquelles, j'en ai T'as tellement en allé tête pour moi aussi, d'ailleurs. que c'est un gros débat là. Ça passe en un très gros débat après. T'as allé. Ne t'inquiète pas pour ça. T'as allé comme l'encore, d'ailleurs. T'es coco, il y a quoi le monde, d'ailleurs. T'as allé comme l'encore, Ouais. t'es coco, t'as été, t'as pas le monde, le comment t'as été, chit, t'as été, chit, l'eau, le t'as été, t'as pas ouais, y aller, t'as pas ouais, non, l'eau, t'as pas l'eau, t'as pas l'eau, t'as pas moi, écran, bon, là, y a écran, t'as pas t'as, t'as pas chez dans la con, ok, l'eau, t'as pas moi, t'es n'ing, y a pas moi, là, pas cool, là, chit, con, ok, là, n'y a, ok, t'es, tu les comme encore hein tu le pas qui ne comme moi non pas yo quand était pas mon là chez quand OK chez ça OK là yo tu ne connais quand genre de pas mon là yo Oui. tu Oui, quand c'est là ça, vous c'est là ça. voilà alors le monde tu ne connais chez le pas et tu pas tout le monde tout dans là il était là yo ce coup là toi tu le monde là ça ça il était là tout est ça là côté tu vois ça le pas qui le monde tu es était dans chez pas là yo quand là yo chez ça chez pas quand et chez de chez gâchier tiens et ça toi ça toi hello le jean c'est là yo le toi tu es hello le chien tu vois chez tu hello le jean tu es caché ça dans dans toi là yo on est là Ouais. quand j'en écran quand tu j'en écran quand j'en écran là quand tu j'en écran t'es là yo t'es y a jean t'es moi que t'es moi hi y a qui jean t'es ça hi y a ton chic y a moi qui était y a ton chic quand t'es caché hi là yo linda était y a la loi t'es mon nous mon t'es mon chic ça mon là yo il y a des choses qui sont très importantes, des coucou Jean-Chiat, Ouais. ça me fait vraiment plaisir de pouvoir avoir pris cette occasion, cette opportunité-là, à peu près 1 heure de discussion avec toi. En tout cas, je pense que tout le monde ici est très ravi. Je vois beaucoup de messages défiler, je vois que du positif. Et je vois pas mal de gens de ta famille aussi. Je pense que c'est ta famille. Il y a quelqu'un qui a marqué que tu étais son sosie. Donc, je ne sais pas qui c'est, ou peut-être que je sais, je ne sais plus, il faudrait que je retourne voir.
En tout cas, si on parle bien de ta sœur, je la connais. Et ça fait très plaisir de voir Ouais. que son père, c'est le sosie. Ça, je l'avoue. Je connais ta sœur. Je l'ai vue plusieurs fois, plusieurs fois. Et ça fait plaisir que ta famille est là ce soir. Ça fait plaisir que tes amis. Ça fait plaisir. Du coup, moi, on est là. Ah, Du tu salis ça. coup, ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes hors monde qui sont là ce soir aussi. Ça fait plaisir aussi de. Excusez-la, oh, je Ça pense qu'elle était tout, j'entends qu'elle a bien suivi aussi. Et donc, vous savez qu'elle est là, j'ai comme moi, j'ai le nom, j'ai moi les noms d'ailleurs, j'ai l'ouchi, un nom, j'ai coucou, y'en a moi le comment, pour donner sur le chai. Est-ce que vous êtes prêts pour voir la couronne de notre Mister Mong, sponsorisée par la page d'abord du Mong? Si vous êtes prêts pour découvrir la couronne, j'aimerais avoir plus de commentaires et de plus de cœurs possible. Mettez des cœurs, allez-y, mettez Ah, des cœurs. allez, allez. Et y a Pas Et donc, moi. on va vous faire découvrir la couronne. Dès que la musique commence, je la mets sur le coussin, juste devant vous, pour découvrir. Vous allez la découvrir tous ensemble. Moi, je l'ai déjà vue. Kushitoshi, il était bien dans son plastique. Et je viens d'enlever le plastique, regarde justement qui est là. Donc, Ah. essayez. Alors, je vous laisse découvrir la couronne de notre Mister Mong, Charles Moyen. En tout cas, avec ces couronnes-là, si je peux me permettre de pouvoir te couronner notre Mister Mong sur notre page live ce soir, encore une fois, mais avec la couronne, elle sera envoyée dès demain chez toi, donc j'espère d'ici quelques jours, d'ici 2 jours, normalement tu la reçois. Et on attendrait un selfie. Donc je vous laisse découvrir la couronne. Oh, je tremble là. Et voilà la couronne. On voit l'écran. Ah ouais, ah là là, ça. Donc la couronne, c'est pas de l'or, hein, mais c'est une couronne super jolie. Pourquoi j'ai mis le thème or derrière? C'est parce que la couronne, c'est une couleur or dorée. Avec un diamant là, mais pas là. Côté doigté, hein, j'ai lavé mes mains, ne vous inquiétez pas. Et donc, elle est réglable juste derrière, comme tu peux voir ici. Il y a quand même un là, mais là, tenté, encore là, tu peux la fixer ici. Donc, elle est super jolie. D'accord. Donc, voici sa Super joli. couronne. Hein. Magnifique. Donc, en Franchement, tout cas, super je joli. voulais te féliciter. Te féliciter, on a hâte de découvrir des photos, des selfies, tout ce que tu veux avec. Comme ça, on peut le partager sur notre page au public. On a hâte. Je pense que la couronne, c'est l'une des remises de cadeaux que tout le monde veut voir quand on annonce notre gagnant ou notre gagnante. Et donc, dès demain, elle sera envoyée. Je t'enverrai le numéro dessus, hein, t'inquiète pas. Elle sera envoyée. Oui. En tout cas, merci. Un grand, grand merci à toi. Est-ce que tu. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Tu as su nous faire rire pendant sur ta vidéo. Tu saurais-tu nous faire rire là juste quelques secondes ou pas? Saurais-tu nous faire un petit Ah, là sketch ou quelque maintenant, chose? oh Mais là. pour savoir comment. Est-ce que vous voulez le voir nous faire un petit sketch de 2-3 secondes, nous faire rire un peu? Y a-t-il quelqu'un qui Oh, êtes-vous intéressé? faudrait Dites-moi avoir oui, des idées là. non, non, non. Parce que là, on a eu beaucoup d'émotions avec la couronne. On aimerait avoir un peu de fou rire. On aimerait avoir un peu de Ah, rire. c'est Écoute, là, sûr je que tout le monde joue, va chien d'ailleurs. vouloir là. Là, j'ai plein de cœur, j'ai plein de pouces. Là, j'ai que des oui. Dans le cas où c'est Oh étrange, là là, dans le cas où oh c'est là que là, tu oh là connais. là. Pas tout le monde encore, là. Ah. Pas tout le monde encore, mais il y a tout croquant. Quand tu en as, il y a tout sous le étrange raccord. Quand tu vois, quand ils sont loin. Mais tu leur cherches 50 ans. Ils se mordent, d'ailleurs. Ça fait 1 heure qu'elles sont J'ai là, beaucoup de qu'ils sont là messages. ici. Alors, j'ai beaucoup de messages qui disent, est-ce qu'en bas je suis en short ou... Bon, je suis quand même en vraie tenue de costard, hein, cas où pour dire, hein, pour dire ça. Le monde pense que je suis quand même en vraie tenue, hein. Les gens, ils pensent que je suis que en caleçon en dessous. Mais Non, pas du pourquoi? tout. Hein?
quand tout bas d'ailleurs, tout encore d'ailleurs. Ah, parce que bon, voilà, je suis quand même en vraie tenue, hein. J'ai pas mis que le haut, hein, pour tricher, hein. Donc, moi, le contraire, il dit, oh, crolaï, tu es dans un mot, d'ailleurs. Et tu t'en loues, nous, même mort, tout le monde n'a qu'un temps, tu es quand il pied, quand nous, même mort, d'ailleurs. T'es coup, t'en crois, quand d'ailleurs. C'est quand tu vois, ben, l'eau, ça, quand là, le genre, ben, ma chienne, tiens, la prochaine fois, on aura l'occasion de te découvrir dans d'autres sketchs, pourquoi pas dans d'autres vidéos, pardon. Et on a hâte de voir ça. Donc, ça ne va pas être ce soir, mesdames et messieurs. Ah, pas mais on espère pour la alors, prochaine la raison, temps. La raison, c'est alors pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup, ils veulent. Alors, pourquoi? C'est que je marche à deux. J'ai moi, mais j'ai un double moi qui a un côté féminin. Donc, forcément, si elle n'est pas là ce soir, je ne peux pas le faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent Charlène. Charlène Tignan. Oh. Charlène. Oh, c'est vrai que Loup est Charlène d'ailleurs, voyons. Ah bon, c'est Isa. Isa a mis ce prénom-là, donc du coup, on va dire Charlène. Loup est mon et Loup est mon et Dachina. Oh, Loup est mon. Alors, coup, c'est une voyante. Charlène, tu peux pas. Quand elle est mon, ma cotaille, quand elle est au Kéle, il dit quand elle est mon, pépétia et. Et tout public, c'est quand même match. Il faut bien choisir. Attention, hein. Après, ça va être gravé dans la mémoire. Il faut être mal. Ouais, mal, c'est quand tout mal, on va quand tu es quand là. Ouais. Donc voilà, ça ne sera pas ce soir, mais dans des prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Je vous ferai ça et je pense qu'on va bien rigoler. Il n'y a pas de souci. En tout cas, bah, je voulais te remercier encore une fois d'avoir pris le temps de pouvoir venir sur notre live. Remercier toi et tous les candidats. Je parle de tous les messieurs qui ont participé à ce concours, car je pense que ça a été un grand défi pour la communauté d'avoir des candidats. Je le dis honnêtement et clairement parce que je suis un homme aussi. Et c'est vrai que pour passer cette étape-là, il y a de la réflexion. Pas cette étape-là, faut baisser sa fierté, comme tu disais. Enfin, c'est toute une étape pour pouvoir y participer. En tout cas, je voulais tous vous féliciter. Vous avez été tous incroyables en venant d'une opinion d'un autre homme. C'est vrai que pas tout le monde aurait fait et je voulais encore vous féliciter. Féliciter toi pour avoir remporté ce concours. Il faut savoir qu'un concours ne manque rien quand je suis d'ailleurs. Quand je suis là, tu vois, tiens, comment quel point, quel ou quel non. Tu sais, le chien, quand tu te sens déçu, quand ça t'a en ailleurs. T'es tout tard, t'es le moitié jury d'ailleurs. Il y a le logo, ça tient, tiens. Sans que si tu as le concours Miss, Mister Mon, cours de chant, etc. Il faut savoir que normalement, c'est quelque chose qui reste dans le droit, c'est-à-dire le coup, c'est cool. Quand il y a des jurys, il n'y en a pas qu'un seul. Hein. Quand tu as 3 et 5 jurys et que chacun a son opinion et chacun a sa vision des choses, c'est sûr et certain qu'ils ne sont pas les 5 ou les 3 dans la même ligne. Je dis ça, j'ai été juré dans plusieurs concours de chant, par exemple. Quand tu discutes avec les jurys à la fin du concours, ça n'a rien à voir. Lui, il aimait plus elle ou lui, etc. Donc, c'est normal que le résultat ne paraît pas multiplié. Surtout d'ailleurs, que ça te rend la PMJC comme moyen. Tu es dans le cas Jean-Chien, tu es moyen, tu es chien d'ailleurs. Et quand tu es Jean-Chien, tu es comme Jean-Chien, et ouais, tu es en jeu pour la pêche de l'autre. Et quand voilà, tu es là, je te souhaite tout le meilleur pour cette année avec ta couronne et bien sûr le concours que tu as remporté en étant Mister Mong. Et tu as été un peu attenté à Chijon, à l'autre Chijon, en étant salité à l'autre, et tu as été un peu cool, tu as été comme ça, salité à l'ailleurs, en étant salité à l'ailleurs. Et je voulais aussi te laisser la parole de fin pour ton interview à la rencontre du Mister Mong. Si tu as quelque chose à dire, c'est parti pour toi, à qui tu veux, ta famille, les candidats, qui tu veux, le comité, qui tu veux. Oh, c'est open, vas-y, je te laisse. Alors. Bah alors déjà, merci à toi de m'avoir invité sur ce live. Et un très très grand merci pour la couronne que tu vas du coup m'envoyer, parce qu'elle est très très belle. Elle est tellement belle que j'ai pas envie de la toucher pour faire des photos avec. J'ai envie de la laisser dans une vitrine. Là. Je ne veux plus la toucher là.
Et en tout cas, c'est merci beaucoup pour le cadeau que tu me fais. Je pense que c'est un énorme travail de ta part, enfin de votre part. Je ne sais pas combien vous êtes sur le groupe, mais en tout cas, c'est un très gros travail pour vous. Je suis très fier aujourd'hui d'être à la place où je suis. C'est un très grand honneur déjà pour la communauté Bong. Je tiens à remercier tous les sponsors, nos trois drôles de dames pour le concours, nos jurys, nos guests, mais vraiment toute la communauté Bong pour avoir voté pour moi aujourd'hui. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui, hein, je le dis clairement. Un très grand merci à ma famille, bien sûr. C'est surtout à eux parce que c'est vraiment eux qui m'ont donné le courage d'y aller, la force de faire ce que j'ai fait. Bien sûr. Après, voilà. Si je devais remercier des gens, en vrai, vous êtes trop. Je vous remercie vraiment tous, en fait. Vous êtes extraordinaires, en fait. Et vraiment, vraiment, merci, merci à vous. Et encore merci à toi pour ce live et cette magnifique couronne que tu vas m'offrir. En tout cas, ça, c'est. Voilà. Avec plaisir. Je n'ai pas trop les mots parce que bon, ça me fait beaucoup d'émotions, là. Franchement, c'est pas mal. J'adore. Merci. Bien sûr. Donc, voilà. Bon, en tout cas, je voulais tous vous remercier d'avoir été là pour le Mister. Ne partez surtout pas après le Mister, bien sûr. La Miss Monde Virtuel 2022 qui sera parmi nous d'ici quelques secondes. Et donc, je te dis à très bientôt. On prendra des Ouais. nouvelles de toi d'ici 6 mois, pourquoi pas. 6 mois, on refera un petit Pourquoi live pour voir où pas? tu en es dans ta vie, où tu en es Oui, bien avec sûr. ton titre. Et si tu nous fais aussi autant rire qu'au début. J'espère que ça changera pas. On verra d'ici là. Bon, en tout cas, je te souhaite une très bonne soirée. Continue à être Merci toi-même et beaucoup. à faire ce que tu as à faire. Et à très bientôt. Ah, très bien, merci beaucoup. Et bonne soirée à tout le monde. Et du coup, bah, je souhaite vraiment le meilleur pour tout le monde, hein, parce que du coup, c'est grâce à vous tous que je suis là. Et du coup, bah, en tout cas, sur ce, je pense qu'on ne se reverra pas en live, hein. Mais en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous bonne fête de fin d'année et vraiment le meilleur à l'avenir pour tout le monde. Et merci encore beaucoup pour tout le monde. Ça marche. Allez, à très bientôt, Shinji. Donc, Allez, ciao, ciao, salut tout le monde. ciao. Wow, les pour Jean Chiette, les coups pour Jean Chiette. Pé comment le tien l'oignon, l'on dit bête au tout dans l'arrière. Bête au tout dans l'arrière, le coup est au tout, tchit, tchia, tchit, 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 Tout ça a été un yachi yolo comme mon écho, yo moi don le couteau kay yo yo. C'est comme le contraire, Charlie non, il n'en est high, Charlie. Là, j'écoute, tu t'en as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Chez les chers de Bodan, bah, chier, t'es mon Jeep et ton Saigon Joie. Est-ce que vous êtes prêts pour aller à la rencontre de votre Miss Monde 2022? Si vous êtes prêts, on va aller à la rencontre de notre Miss Monde 2022. Et donc, Coralie, si tu es là, nous t'attendons. Pour nous rejoindre sur ce live et à ton tour être interviewé par moi-même et bien sûr par notre public qui est là ce soir, toutes les personnes qui te soutiennent. Donc Coralie, si tu es là, fais-moi signe. Voilà. Jean-Chia, Pétoun Saigon, Joa, Coralie, Duat, toi, compte. Maintenant, en tout cas, merci à toi d'être là ce soir, de nous rejoindre dans ce live. Après notre Mister, voici notre Miss Monde Virtuel 2022, Coralie Duat. Bonsoir. Alors, comme je disais, ça va être du Hmong, French, français, Hmong, américain, Kedou, tout. Donc, je vais faire de mon mieux. Si au cas où j'oublie de parler français, tu me fais signe. N'hésite surtout pas. Et il faut savoir que personne n'est parfait. On en apprend tous les jours. Donc, même si tu parles plus français que Hmong ou inverse, ne t'inquiète pas. C'est que du positif. Ça viendra, comme tout le monde. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. En tout cas, ça nous fait encore une fois
énormément plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. Encore une fois, félicitations pour ton titre que tu as remporté ce soir-là. Ça nous a fait chaud au cœur de voir que pas mal de participantes ont participé à ce concours. Et bien sûr que tu as remporté ce prix. Et merci à toi d'être là ce soir. Je vais te laisser la parole et merci. Te présenter en quelques mots et pour en savoir plus sur toi. D'accord. Nya jom mwa chon chone shadow lo kumpe mono. Kujon shia wa netun tsai ngon chwa mon nya pakite virtuel o tia nengo o. Je suis désolée pour mon accent, j'ai essayé de faire quand même non, l'effort. J'apprends petit à petit, ça va venir. Voilà, merci. Donc élection récente, mais en même temps qui passe très vite. Et donc voilà, Coralie, hein, je suis contente d'être là avec vous et surtout très fière d'avoir été élue Miss Monde France Virtuelle 2022. Et je vous remercie encore pour tout ça. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire de plus pour me présenter. Voilà, j'ai 25 ans, je suis assistante SAV pour le moment, j'ai plein de projets dans la tête et je suis de la région parisienne. Voilà. Merci à toi. Alors, quand le live a débuté, on a décidé de mettre vos deux vidéos pour nous rappeler qui vous étiez, pour nous rappeler le moment du concours et pour nous partager un peu sur vous. Qu'est-ce que ça t'a fait de revoir cette vidéo sur notre live? Forcément, c'est très, très émouvant parce que, mine de rien, une vidéo qui dure 10 minutes, nous, on y a passé énormément de temps pour montrer tout ce qu'on pouvait montrer au final et faire plaisir et aussi... pouvoir à ce moment-là récompenser en fait tout le travail du comité du concours. Et c'est émouvant parce que je ne sais pas si ça s'est passé comme ça pour tous les candidats, mais forcément, on a eu de l'aide de notre famille, de nos proches. Et on a passé bon moment, on a bien rigolé, on s'est un peu chamaillé. Non, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et du coup, c'est très émouvant et je suis encore fière. Et en regardant ma vidéo, j'ai l'impression de repasser le concours et de ne pas avoir été élue encore. J'imagine, oui. Alors, on continue avec la partie questions-réponses. Est-ce que tu es prête pour ça? Tout à fait. Alors, si parmi vous, il y en a un qui a non très lourd, ou si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'attends vos questions qui se défilent. Je vais en choisir. S'il n'y a personne, je poserai mes questions. Donc, je compte sur vous. Mesdames et messieurs, pour des questions concernant notre Miss Mong, c'est vrai qu'on connaît le prénom, certains connaissent le prénom, non-prénom, certains l'ont déjà vu, mais qu'est-ce qu'on... On connaît pas grand-chose sur notre Miss, donc on aimerait en savoir un peu plus, donc je compte sur vous pour nous envoyer des questions. Nouti qui demande, est-ce que tu es feuille au cropong? Je suis plutôt feuille, après j'aime bien les deux. Mais c'est vrai que tout à l'heure, Charles, il a eu une question, c'est quoi ton plat préféré? Et j'étais en train de me dire, est-ce qu'on va me poser la même question? Et comme moi, je suis moitié française et moitié mong, j'ai un plat favori mong et un plat favori français. Et du coup, le pho en fait partie, oui. Un de mes plats favoris. C'est vrai que le pho, il faut dire, hein, c'est number one, comme on dit. Ah oui, il n'y a que les meilleurs qui savent. Le pho, c'est... C'est incomparable. C'est sûr. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je vais vous laisser continuer à défiler des questions et je vais me permettre de poser une question à Coralie. Coralie, avec le Mister Monk tout à l'heure, on a posé une question. J'ai posé la question, mais c'était plus vers la fin. Pour toi, je vais la poser dès maintenant. Si tu devais te décrire en quelques mots avec des qualités, quelles seront-ils? Une qualité, quelles seront-elles, pardon. Et si tu devais nous décrire ta personne avec un ou deux défauts, pas tout, pas tout dévoiler. Je te laisse nous en faire part. Si je devais me décrire en qualité, je pense que je suis quelqu'un de simple, accessible, ouvert d'esprit. Et du coup, je reste, je pense, les pieds sur terre. C'est quelque chose qu'il faut avoir, je pense, dans notre quotidien.
Après, en défaut, je pense que je suis un peu réservée et timide. Et ça, malheureusement, ça m'a fait plein de blocages dans la vie. Mais on y arrive, on fait des efforts et Bien sûr. on y arrive. Bien Et sûr. avec les expériences, ça s'efface petit à petit. Donc voilà. Bien sûr. En tout cas, merci de ta sincérité. Merci de nous faire part des qualités et des mini-défauts. C'est vrai qu'en parler là en public, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment envie. Ça, je comprends tout à fait. Parce que moi, s'il me pose la question, je te dirais I am number E, nos défauts, tu vois ce que je veux dire. Donc, en tout cas, merci pour ta Oui. franchise. Et ensuite, on a une question de Sylvie Bédi. J'ai des nièces et neveux métis, mon Fati. Et j'aimerais savoir si la double culture est un avantage ou un inconvénient dans notre société actuelle. Alors les deux, mais je pense que ça marche vraiment par phase, c'est-à-dire que enfant, tu te rends pas compte. Parce que tu as de la famille monde, tu as de la famille française. Donc, bah en fait, oui, on ne va pas se mentir, notre comportement, notre façon de penser, elle change en fait. Quand on est enfant, quand on est avec la famille monde, on va penser d'une certaine façon, et famille française, on va penser d'une autre façon. À l'adolescence, c'est très compliqué, sans être négative. Mais en tout cas, pour moi, comme dans mon expérience, ça a été compliqué parce que bah en fait, tu n'es pas totalement l'un et pas totalement l'autre. T'es un mélange Bien des sûr. deux. Et des fois, c'est un peu compliqué de se positionner vraiment entre les deux. Et bah, après, voilà. Moi, je ne parlais pas mon. Aujourd'hui, je ne parle toujours pas correctement mon. Je n'ai pas l'accent et je ne saurais pas m'exprimer aujourd'hui correctement. Et je pense que si des adolescents apprennent à parler mon, mangent mon, arrive à faire des événements bons, je pense que ça peut aider. Et peut-être que moi, c'est quelque Bien sûr. chose qui m'a pas vraiment aidé, le fait d'être vraiment préservé côté français. Et après, en Bien étant sûr. adulte, bah en fait, c'est une folie. C'est super bien d'être moitié l'un, moitié l'autre, parce que justement, Bien on sûr. rencontre beaucoup plus de monde. On a accès à une culture vachement plus bah, grande, en fait. On a beaucoup plus de. Bon, c'est un avantage. Je pense que ça dépend vraiment de la période, mais une fois adulte, Merci. on se rend compte que c'est une chance d'avoir une culture, une double culture aussi riche que ça. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, très bonne réponse, hein. C'est une très bonne réponse et ça se voit que cela vient du cœur. En tout cas, merci à toi. On va continuer avec une autre question venant de De rien. Betty Moi. Betty Moi qui me semble être une candidate de son concours. En tout cas, merci à toi de venir soutenir notre Miss et Mister Mong. Et félicitations pour avoir participé à ce concours. Tu veux lui faire un petit coucou? Coucou Betty, félicitations encore. Alors, la question est combien as-tu de tenues Mong? Oula, ça, on aimerait bien savoir, hein. Et penses-tu en acheter pour tes enfants? Est-ce par les habits Mong que tu perpétuerais tes origines? Oula, trois questions d'un coup, là. La première, Alors, as-tu première combien question, as-tu de tenues combien Mong? j'en ai? Alors, je ne les compte pas parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir ma maman qui me prête aussi ses tenues. Donc, peut-être que moi, à moi, je dois en avoir 4 ou 5. Et c'est très récent. Hein. Je suis trop contente parce que du coup, j'ai tout qui arrive d'un coup et j'ai plein de tenues. Comme les poupées Barbie, j'ai plein, plein de tenues. Après, la deuxième question, c'était. Penses-tu en acheter pour tes C'était quoi la enfants? deuxième question? Oui, ah, clairement oui. Alors, peut-être pas autant qu'un vrai nom. Je pense que je ne le porterai pas autant et j'aurais peut-être pas autant d'événements que ça. Mais oui, clairement oui. Ne serait-ce que pour les souvenirs, ne serait-ce que pour la valeur bah, du travail et des tissus monde, côté traditionnel, oui, j'en achèterais, c'est sûr. Et après, la dernière question, Et la c'était troisième question, est-ce que c'est je passe à est-ce travers mes par les vêtements, est-ce que habillements? je me sens plus. Est-ce Bah, en fait, par les habillements c'est que vrai tu que. perpétuerais tes origines? Bah oui, clairement oui. Oui, parce que bah, quand on est métisse et qu'on ne ressemble pas du tout à un asiatique,
le côté, bon, pas forcément, je ne parle pas de la tenue traditionnelle, par exemple, là c'est une tenue moderne, mais il y a une touche monde, j'ai des vêtements aussi avec des touches monde, et je pense que c'est une valeur importante et c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire. Pas forcément, vous savez, avec l'art, tout ça, pas forcément pour tous les jours, mais c'est important et il faut que tout le monde continue à utiliser ça au quotidien. Et les bijoux aussi, d'ailleurs. Je vais juste m'exprimer un peu en mots pour pouvoir en faire part à sûrement les parents ou les personnes qui ne savent pas très bien parler français. ก็ย่ออินดาฟักกี้ก็ย่ออินดามงหรือปุยย่อคอว่าป้าเต่าก็เลยย่อหรือย่อคอว่าว่าแล้วก็ป้าเต่าก็บอกจะได้ย่อเทียนกูเตะละลวยเทียนกูคนนี้กูย่อคอจงตบปีตรงนี้ล้อล้อตัวนี้กูว่าเราเหนื่อยจิตชั่วเป้าเทียบเดียวอยู่รอเดียวอยู่เหนื่อยย่ออีไฮหนึ่งจีย่ออีไฮหนึ่งเทียนกูยังยัวได้อยู่ได้ย่อเทียนเดมูจู่จู่เดียวรอจู่จู่เดียวตรงนี้อยู่เป้าจังจู่จู่เดียวอยู่กูสับเป้าจังเดียว OK, qu'il y a pas qu'il y a pas qui des coups pas ça là yo qui qu'on y a haut monte qu'on y a haut monte monte là chi là yo qui on les a ni couche dans le lit dans le token ou yo la pas ça non là yo mais ton chai mon mais ton chai gon joan en ngo chi sur le tu ça ça pas ça ben mon de yo ne ça pas cha ni te mon tu non là chi tu dans ça que chi tu non là yo qui cou to quoi ni gens dit tia et ça tu ni halu chi ton mon to pe là Coucou, on est tout nous, coucou là. Très lumineux, on est là, on est chanteur lumineux là, coucou maman, très lumineux qui est coucou là. Et on est voilà, chien là, chien là, là. Y a des gens là, qui a, ça m'a fait des gens là, y a voilà, y a, ben y a des gens, y a ben ça t'as encore gens sur, ben y a des gens, y a gens qui, ben y a des gens, y a, comme moi y a gens, comme moi y a gens, comme moi y a des gens, coucou moi y a des gens là, y a. Donc encore une fois, je me répète. Personne n'est parfait, tu as un bon côté comme tu as un mauvais côté. J'ai un bon côté comme tu as un mauvais côté. On en apprend tous les jours, on se soutient. Si tu as des choses négatives à dire, tu les gardes pour toi ou alors on en parle en question, en discutant. Des choses positives, on les accepte avec plaisir. Donc, je leur ai fait part un peu de ce que tu as répondu. T'inquiète pas, j'ai dit que du positif, tu pourrais demander à ta maman ou à d'autres personnes ce soir. Et on va continuer avec les questions-réponses. Est-ce que j'ai d'autres questions ou alors c'est moi qui vais les poser? Méline Lovelia te pose la question. Coralie, que penses-tu du passeport vaccinal? Es-tu pour ou contre? Oula. J'espère que ce n'est pas une question hard for you. Mais t'inquiète pas, hein, si non, tu ne pas penses pas pouvoir la répondre, tu vas réfléchir à ta question. Moi, il n'y a pas de souci. Je pense que chacun, de toute manière, pense ce qu'il veut sur ça, comme la politique, etc. Mais moi, je trouve que c'est quand même important de prendre soin de soi et des autres. Malheureusement, oui, on est dans une crise sanitaire qui dure maintenant depuis longtemps, qu'on aimerait bien tous en sortir, oui. Mais que si on peut trouver des solutions, que ce soit bien, qu'on essaye de tous les suivre. Je ne dis pas qu'ils ont la science infuse et que tout est bon et tout n'est pas bon, mais je pense que s'il y a moyen d'essayer des choses, vaut mieux essayer. Et après, on ne peut que voir ce qui se passera par la suite, mais vaut mieux essayer et, plutôt que de rester bloqué dans une situation où tout le monde n'est pas content parce que tout le monde doit rester chez soi, tout le monde est malade et malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de pertes aussi à cause de ce virus, donc vaut mieux essayer. Je suis pour, je suis vaccinée, j'ai mon passe sanitaire, donc voilà. Et voilà, elle a bien répondu à votre question.
On va continuer avec les questions. Là, j'ai une question. Attendez, je vais juste l'épingler. Fleur Tcha qui nous demande, que peux-tu dire aux jeunes aujourd'hui pour les motiver à notre époque pour être fiers d'être mondes? Quel Alors, message leur tu pourrais leur dire, apporter? alors faut savoir, bah, il faut savoir que, ça je dis ça pour les anciens, je ne parle pas parce que je n'ai pas d'expérience plus que ça, mais je préfère le dire, il faut savoir que les jeunes, si on leur dit de faire quelque chose, généralement ils n'ont pas envie de le faire, il ne faut pas se mentir. Mais moi ce que je pourrais dire à ma place, donc en étant jeune encore pour l'instant, on va rester dans les jeunes, ce que je pourrais leur dire c'est que... Là, justement, la période de jeunesse, c'est là où on peut peut-être faire passer le plus de messages en n'ayant pas beaucoup d'expérience, mais justement, c'est là où on a le plus d'énergie. C'est là où on peut découvrir le plus de choses, voyager, échanger, faire des événements, que ce soit virtuel ou que ce soit en présentiel. Et que c'est important, déjà de une, pour rendre fiers notre famille, nos ancêtres, voilà, les anciens, etc. C'est quelque chose qui leur feront plaisir. Et c'est vrai que, comme vous parliez tout à l'heure avec Charles, les mots, on a du mal à s'exprimer et à montrer l'attention, etc. Et justement, en faisant, par exemple, cet événement de concours où... En montrant qu'on est fier ou qu'on parle bon, etc., qu'on fait l'effort, ça fait plaisir aussi à nos parents, à nos oncles, à nos tantes, et ça les rend fiers. Et eux, à ce moment-là, ils vont nous montrer qu'ils nous aiment, qu'ils sont fiers de nous, et que justement, ils vont nous mettre en valeur, etc. Et c'est vraiment important de pouvoir partager tout ce qu'on sait et tout ce que nos anciens savent. Et faire un mélange de moderne et d'ancien, c'est important, c'est vraiment important. Et c'est une partie de vous, et ça le sera toujours, c'est une partie, c'est dans votre sang, c'est dans votre chair, et il faut vraiment, vraiment en être fier, et le partager, et le montrer, et surtout ne pas avoir honte, ne pas avoir honte des costumes traditionnels, de parler, ou peu importe. Non, c'est une fierté, et il faut vraiment le porter jusqu'au bout des ongles, au bout des cheveux. Tout ce que Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on continue avec Eleanor Chaivu qui a une question for you. Tokonayo, nous n'allons non arrêter. Tu es né dans deux cultures très différentes. Penses-tu, à ton âge, avoir trouvé ta place dans les deux cultures ou préfères-tu sûrement l'une plus que l'autre? Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que à mon âge, j'ai trouvé ma place. Encore plus suite à ce concours et encore plus le fait d'être élue Miss. Je pense que j'ai trouvé ma place vraiment dans un mélange des deux. Mais c'est vraiment par phase, c'est-à-dire que il faut savoir des fois mettre une culture en avant, que l'autre en avant. Il faut savoir combiner les deux d'une façon harmonieuse et ne pas trop. Moi, je ne préfère aucune des deux. J'aime autant l'une que l'autre. Les deux sont riches, les deux sont intéressantes, les deux apportent beaucoup de choses. Donc, oui, je pense que j'ai ma place. J'ai trouvé ma place. Eh bien, tant mieux pour toi et en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça. Ça fait plaisir d'entendre ça. Je pense que à un moment ou à un autre, on trouvera sa place. Il n'est jamais trop tard, espérons pour tout le monde. Et voilà, on continue avec une question de la comité, du comité, pardon, Isama Young. Plutôt funny, plutôt marrante, ça l'aurait. Est-ce que des gens t'ont reconnu Miss Monk dans la rue ou au magasin? C'est une question qui est un Non, peu pas du tout. Covid-19. Tu as oublié? Oui, c'est ça. Pas On du s'en tout. fout. Et puis à savoir que moi en plus j'habite dans un village où bah, en fait il n'y a pas beaucoup de monde, pas plus que ça. Et du coup, bah, en fait, personne ne sait même ce que c'est bon. Et je trouve ça très dommage. Mais non, ça va. Moi qui suis timide, on ne m'embête pas avec ça. On ne demande pas de photos pour l'instant. Mais c'est avec grand plaisir que justement, quand ça ira mieux avec le Covid, que j'aille rencontrer la communauté et voir plein de nouvelles personnes. Bien sûr, bien sûr.
Et si je devais poser une question tout à l'heure qui était personnelle, cette fois-ci sur la communauté Hmong, selon ce que tu as pu voir, ce que tu as pu apprendre, ce que tu as pu connaître à ce jour, qu'est-ce que tu dirais qui est plus positif, qui est une très bonne qualité venant de la communauté Hmong? Et qu'est-ce que tu dirais qui est plutôt un défaut qui est à retravailler de notre communauté Hmong? Ne t'inquiète pas, je me Alors, répète comme tout à l'heure, ce n'est pas un débat. Je ne suis pas là pour faire un débat, c'est juste que j'aimerais m'intéresser plus sur l'avis venant de notre Nice, une qualité et un défaut. Donc, je viens de répéter en Hmong la question. Je te laisse nous donner la réponse. Pour moi déjà, la grande qualité, je le savais déjà, mais j'en ai eu encore plus la preuve suite au concours, c'est le soutien. C'est une communauté qui est très, très soutenue entre elles, qui va ne pas laisser tomber quelqu'un de la communauté, qui va mettre tout le monde à l'aise dans cette communauté. Et encore plus, et ça je suis vraiment très contente, je l'ai vu pour les métis, du coup, qui sont encore plus... qui sont différents, mais qui du coup sont aussi acceptés autant que les autres. Pour moi, ça, c'est vraiment une qualité. Une autre petite aussi qualité qui est pour moi importante, c'est que c'est une communauté qui est très humble. C'est-à-dire que c'est pas du matu-ju. C'est une communauté qui est très sincère. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et par contre, c'est vrai que le seul défaut, et ça, j'en avais déjà parlé lors de ma candidature, pour moi, c'est une communauté qui est trop réservée. Peut-être, pas assez de monde ne connaît cette communauté. Et c'est vrai qu'on a tendance à rester trop entre nous et pas trop faire découvrir aux autres. C'est peut-être par pudeur, je ne sais pas. Mais ça, c'est peut-être un des défauts. Et je pense que si la communauté se débloquait petit à petit et à être moins pudique, ça permettrait aussi à notre communauté d'évoluer. Et Bien de se sûr. mettre en avant et dans la simplicité, bien sûr. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont bien marqué, on est trop pudique, etc., etc. Je pense qu'on est pas mal de personnes à penser comme tu le penses, et c'est vrai que on espère que ça viendra petit à petit. C'est vrai qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain que ce soit soi-même Non. quoi. Donc c'est vrai que toute une communauté, c'est autre chose, on est plusieurs. J'espère que ça viendra, et je pense que ça viendra quand, on ne sait pas, mais ça viendra. Ensuite, si on continue avec une Oui, question, Emily Yang, forcément. tu parlais d'avoir beaucoup de projets. Quels sont-ils, si tu peux nous en faire part, hein? Des choses personnelles, ne t'inquiète pas, ne réponds pas. Des choses que tu peux partager, je te Si, laisse la bah, parole. je peux, en restant raisonnable, dans mes projets, de toute manière, je pense qu'on a tous les mêmes projets dans une vie, hein, faire une famille. Évoluer professionnellement parlant, mais aussi personnellement parlant, avoir une maison, avoir des animaux de compagnie, des enfants, avoir ça déjà. Et côté professionnel, c'est vrai que moi j'ai toujours adoré tout ce qui était artistique, notamment le dessin. Et aujourd'hui, je suis un peu frustrée au niveau professionnel parce que pour moi, je n'utilise pas mes capacités. Et surtout, je n'exploite pas ma passion. Donc, pour moi, ce serait un des projets, vraiment, si je parle de ma vie à moi, ce serait de pouvoir changer de travail et faire un travail vraiment qui me plaît, faire des créations, faire plein de choses. Très bien. On a hâte de voir ça et de te suivre dans les mois ou dans les années à venir, même si le titre Miss se finit. Tu seras Miss pour un jour, Miss pour toujours, comme on dit. Et donc, on continuera. Je ne sais pas les autres, mais moi, je continuerai à te suivre et voir ton parcours. Mais comme Charles aussi, même chose. Même les autres candidats, hein. Il faut savoir que vous êtes candidat pour un jour, vous serez pour toujours. Et pour les gagnants, vous êtes Miss et Mister pour un jour. Et donc, vous le serez pour toujours. Surtout avec nos sublimes couronnes. J'ai hâte de te Oui. montrer la tienne. Tu vas craquer, ça, c'est sûr, J'ai hâte certain. aussi de la voir. Mais par contre, patience. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. On continue. Y a-t-il d'autres questions? Soyons Yes, patients. no, oui. Pour moi, mais pour moi, le non, d'ailleurs. Exactement, oui. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il moi, d'ailleurs? Peut-être qu'on va aller à la couronne, je ne sais pas.
des questions, je pense que le réseau Internet n'est pas très, un peu slow, comme on dit en américain, un peu lent, quelque genre d'ailleurs. Et on va attendre, puisque tout à l'heure, j'ai des questions qui sont défilées. Si je peux remonter en haut, j'essaie d'en trouver une. Oui, Emily Yang, allez-y. As-tu des frères et des sœurs de la part de Fleur Chatterley? Alors oui, j'ai deux frères, un grand et un petit, donc je suis au milieu. Donc j'ai un grand frère qui s'appelle Alan et un petit frère qui s'appelle Axel. Donc tu es la seule fille de la famille, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Et celle du milieu en plus, donc c'est encore pire. Exactement. Quand les frères se chamaillent, tu es là. Ouh, maman numéro 2. C'est ça. Exactement. Et si j'avais une autre question à te poser, c'était si tu avais un exemple de femme à citer là de suite, que ce soit partout dans le monde, qui serait-elle? Et qui pourrait pourquoi? m'inspirer. Alors, je ne vais pas être très originale, je pense, parce que si je vous parle d'art, je pense que Frida Kahlo, par exemple, sa vie, alors je ne sais pas si tout le monde connaît, mais voilà, c'était une femme qui était artiste, mais qui a eu aussi plein de débats, qui avait plein de projets, qui avait une vision de la vie. Voilà. Elle a eu beaucoup d'épreuves aussi, elle a des problèmes de santé, etc. Et pour moi, c'est une femme forte. Et. Il y en a plein d'autres, hein. J'ai sorti juste un nom qui me revenait. Mais pour moi, en tout cas, une femme qui pourrait m'inspirer, ce serait une femme forte, qui assume ses choix, qui ne se laisse pas faire, et qui va jusqu'au bout de ses idées, de ses envies, de ses projets. Très bonne réponse, hein. C'est très bonne réponse. Je ferai des recherches sur cette dame-là. Personnellement, je ne cache pas que je ne l'ai pas entendu. Peut-être que j'ai entendu parler, mais je n'ai pas retenu. Mais c'est vrai que c'est bien à savoir, parce que c'est vrai qu'on a toujours un exemple, que ce soit personnellement, sûrement sa maman ou son papa, mais aussi en dehors aussi. Et c'est bien que tu nous parles d'un exemple en dehors aussi. Et on espère aussi que tu pourras donner un bel exemple à tout le monde aussi. Je pense que ça, c'est l'une des choses les plus dures à faire, c'est être un bon exemple pour soi-même, mais pour ceux qui sont dans son entourage. Comme ma mère me dit tout le temps, là je parle personnellement, tous les jours on doit se battre pour être le meilleur de soi-même. Et ça, c'est la chose la plus difficile en étant un être humain. Oui. Parce qu'on peut devenir it will lie, je pense que tu sais c'est quoi dans le lie d'ailleurs. Un voyou à tout moment. On peut Ouais. casser sa vie à tout moment, détruire sa vie, pardon. Donc c'est vrai que ça, c'est une des choses les plus importantes. C'est pour ça que dans notre communauté Hmong, Tun Taegon Joy et Tutu Jonah, c'est deux personnes qui donnent l'exemple. Qui donnent l'exemple. Peut-être qu'on ne le dit pas, mais il y a beaucoup de personnes qui vous suivent, qui vont vous suivre. Et donc, on compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même. Sachez que vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait. Ça peut être des moments où vous aurez des petits coups de blues ou des petits coups qu'on va en entendre parler négatifs. Mais le public, sachez que personne n'est parfait, donc ça arrive, et oui. Mais on vous souhaite, en tout Oui, cas, à toi aussi, et le il faut meilleur. savoir aussi ouais. Il faut savoir aussi que, excuse-moi, il faut savoir que rien n'est perdu aussi et Non. que c'est jamais trop tard. Donc même si, comme tu disais, on a fait des bêtises, voilà, si on est humain, on peut regretter et recommencer à zéro. Le pardon, il est difficile à obtenir quand on fait des grosses bêtises, mais il est toujours facile de se rattraper, de faire des choses bien et de changer sa façon de penser. C'est lent, ça prend du temps, c'est dur, mais il faut se dire que bah, on a toujours moyen de le faire et qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut surtout pas décourager. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on a vu aussi dans ta vidéo que tu avais un talent de dessinatrice, ou je ne sais pas comment tu vas appeler ça, mais c'est vrai que le dessin était très joli. On a vu un peu d'autres croquis sur des accessoires, ou des, je ne sais plus comment on appelle ça, j'arrive même pas à trouver les mots de maison ou quoi que ce soit. C'est vrai que tu as un talent pour ça, Oui. tel que ta mère. Oui, ta maman est une artiste aussi. Vous êtes deux artistes avec. Avec vos mains, vous êtes très doué avec vos mains et sûrement avec toutes ces idées pour pouvoir faire ces arts-là. En tout cas,
Nous, on espère avoir un petit croquis qui pourra exprimer notre page pour pouvoir en faire part. Et oui, je demande un cadeau moi aussi. Et donc, si ça congédie Avec bien, si plaisir, tu as avec l'occasion plaisir. de pouvoir nous faire un petit tard pour qu'on puisse publier et en faire part sur notre page, ça sera avec plaisir. Et bien sûr, si tu continues à faire d'autres dessins, etc., de nous en faire part sur ta page pour qu'on puisse le partager avec tout le monde. C'est vrai que quand on a une passion, quand on a un talent, c'est bien d'en faire part. Et maintenant qu'on sait que tu as ce talent-là, on aimerait bien en savoir plus, en voir plus. Et ça nous ferait plaisir. Je pense que vous, comme moi, je pense on aimerait bien en voir ça. Demande un cadeau pour tes frères. Oh, Oui. ça, c'est quelqu'un d'autre, pardon. Moi, Et c'est donc, voilà. Est-ce que vous mon avez une frère, dernière justement. question? Mais Ah, d'accord. C'est ton frère. Ben, enchanté à toi, Alan. Je me disais, mais de quoi il parle, lui? Donc, enchanté à toi. Donc, c'est ton petit frère ou ton grand frère? mon grand frère. Ton grand frère? D'accord. En tout cas, merci d'être là ce soir. La famille, il n'y a rien de plus important. Ça, faut le dire clair et net. Charles avait une grande partie de sa famille qui était là. Ce soir, tu as ta famille qui est là. En tout cas, ça fait énormément plaisir. Donc, je disais en manque, c'est vrai que c'est, comme on dit en manque, c'est les parents. Sans les parents, on ne serait pas là. Et c'est grâce à eux qu'ils nous ont donné notre personne, qui on est aujourd'hui. Et donc, on faut les remercier. C'est vrai que c'est très important. Sans eux, on ne serait pas là. Sans eux, on n'aurait pas ce visage, ce corps. Ouais, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est l'expression. Enfin, en manque, Oui, cette façon de c'est. penser, cette mentalité, ces On principes, en on n'aurait voilà. rien. Voilà, exactement. Donc, je voulais en faire part aussi et le répéter que on n'est pas là que pour parler en anglais, on est en France, on doit aussi s'adapter. Donc, on fait un peu de mélange mot français. Donc, il faut que les personnes ne nous en veuillent pas. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est vous présenter la couronne. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes tous prêts et prêtes Oui, à trop. découvrir la couronne? J'en tremble, là. J'en tremble déjà parce qu'elle est tout aussi belle que la couronne de Charles. Alors, c'est parti. Je mets la musique et je déplace la couronne de Charles. Sache que je vous l'envoie dès demain. Je t'enverrai le numéro de suivi comme Charles, mais ça reste entre nous. Et donc, je vais vous faire Ça découvrir marche. ça. J'attends juste que la musique repart. Est-ce que vous êtes enfin prêts à découvrir la couronne de notre Miss Monde Virtuel 2022? Je peux vous dire que c'est sur le thème gold. C'est gold, d'ailleurs, or, d'ailleurs. Je me suis dit, argent, oui, c'est déjà vu. Pourquoi pas changer? Soyons fous. Partons avec cette couleur-là que personnellement je n'aime pas. Mais là, j'ai la couronne en face de moi. J'ai juste une envie, c'est de la porter. Mais pour pas respect, je ne vais pas le faire pour Charles. Allez, je mets la musique et je vous montre ça. Alors, tout le monde est prêt? Oui. Tadam padam. Betty-moi. Trop belle la couronne. Trop belle ma coco. Marie-Marie. Alors, je remets la chanson et je suis à vous. Désolé, hein, c'est un live, c'est un direct, c'est une première. Tout n'est pas en ordre. Allez, c'est parti. Je déplace la couronne de Charles et on va découvrir la couronne de Coralie Buat, Miss Monde Virtuel 2022. J'attends juste la musique. Sorry, c'est un peu lent. Allez, c'est parti. Ouh là 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 là, j'en tremble. Alors, sache que ta couronne est une couronne réglable aussi. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. On était obligés parce qu'on ne savait pas sur qui allait remporter. Et voici la couronne. Trop belle. Voilà. Oh. Ah, elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Avec des diamants. Ce n'est pas du 100% or, mais ça vient du cœur de ton sponsor, Avoir du Mong. Et donc, elle est réglable ici, comme tu peux le voir. Tu peux le régler, tu vois ici, en plus petit, plus grand. Et je vous laisse la découvrir. Elle est magnifique.
Vraiment, vraiment magnifique. En tout cas, nous, à bord du monde, on voulait encore te féliciter et t'apporter la couronne qui est dédiée à la gagnante qui est Coralie Violette. Félicitations. Merci et beaucoup. Donc, et moi, je vous remercie en tout cas, nous, ça nous fait énormément plaisir. Vous... Voilà, merci. Bah, franchement, elle est magnifique. Et franchement, je pense que comme Charles, j'oserais même pas la toucher ou la porter. Et si je la porte, je vais me sentir comme une princesse, je pense. Tellement elle est magnifique. C'est le but, justement, c'est le but. Vraiment, vraiment très belle. Oula, si j'arrête. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a eu un grand débat pour choisir les deux couronnes. Ça a pris du temps. J'ai pris la grande décision. C'était le thème doré. Je pense que vous méritez tous les deux ce titre-là. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes les deux gagnants de ce concours. En tout cas, coucou Jean-Chia, tu es avec nous ou un sponsor. Avec moi, tu es comment? Oh, le comment? On a pour tout moyen, d'ailleurs. Tu es coucou Jean-Chia, chap, là. Tu es un étudiant comment? Coucou comment? Ni alors. Du coup, il y a Holo comment? Au moins, Griopé. Ce ne sont pas des couronnes d'or, mais ce sont deux couronnes qui nous tiennent à cœur. En tant que page à bord du monde, on a eu beaucoup, beaucoup de soutien venant de votre part. Le soutien, c'est quoi? C'est pas juste les ventes, bien sûr. C'est le soutien de votre part, c'est-à-dire nous suivre sur notre page. Et on apprend tous ensemble. Toutes les publications qu'on fait, c'est pour apprendre ensemble. Tous les partages qu'on fait sur le monde, c'est pour apprendre ensemble. On a tellement de choses à partager au monde entier que même si on n'a pas de pays attitré au monde, on a énormément de choses. Le plus important aujourd'hui, ce sont nos tenues Hmong, les broderies Hmong, les symboles Hmong. Tu ne trouves ça nulle part ailleurs. Quand tu montres ça à d'autres personnes en dehors de la communauté Hmong, c'est waouh. Donc encore une fois, je voulais faire juste entre guillemets, une petite parenthèse sur notre page. Mais encore une fois, Coralie, Charles, moi, si tu es encore là, félicitations. Comme on dit, hein, on vous déclare vraiment avec la couronne Miss et Mister Monk 2022 sur notre page, sur le live. Les couronnes seront envoyées dès demain. Je les ai emballées tout à l'heure, je le montre. Ils étaient très bien emballés, je ne les ai pas encore ouverts parce que je ne voulais pas les abîmer. Je me suis bien lavé les mains avec du gel et donc je vous envoie ça dès demain, sans faute. Je vous envoie le numéro de suivi. Je voulais remercier tout le public maintenant, là, comme Pénaillant. C'est grâce à vous aussi que nous pouvons avoir du soutien, que ce soit pour notre Miss Mister, sur notre page, pour le comité, pour les candidats. Et en tout cas, je voulais encore une fois, je sais qu'il y a pas mal de candidats qui sont là ce soir, même si je ne dis pas vos noms et prénoms. Sorry, là, il y a un train de salut, c'est donc, c'est d'ailleurs. N'est-ce pas qu'on l'a, coucou, trois croix, soit toi, tout, ton travail, là, comme, toi, qui est tenant, coucou, trois croix, les trois drôles de dames du comité pour ce concours-là. Grâce au comité, grâce aux candidats, grâce aux familles, grâce aux sponsors et tous ces cadeaux, on a pu faire un événement aussi beau que ça. Je souhaite que du positif à venir. On va vous suivre, Coralie, toi et Charles, cette année à fond. On ne le dit pas, on ne le montre pas, mais attention, on a l'œil. Les réseaux sociaux. Et on espère pouvoir aller à vos rencontres réellement face à face pour un prochain événement en espérant que cette pandémie-là s'arrête. Pour qu'on puisse se rencontrer enfin, pour que je puisse ne pas me cacher derrière ma caméra et pouvoir vous rencontrer enfin. Et je vais te laisser oui, la avec parole. Plaisir. Tu peux dire merci si tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux t'exprimer autant que tu veux. Je te laisse les dernières minutes de ce live. À toi la parole. Ça marche, merci. Bah, déjà, vous nous avez gâtés, Charles et moi, que ce soit toi ou les autres sponsors, donc on vous remercie. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous, votre gentillesse et votre bienveillance. Merci aux comités, aux jurys, aux guests, à tous ceux qui ont participé de loin ou de près à ce concours, aux autres candidats aussi pour tout ce qu'ils nous ont apporté comme richesse voilà, d'amitié. Parce que pour moi, aujourd'hui, je les considère comme des amis, même si on ne peut pas se voir. Je les trouve tous adorables, gentils, et je remercie vraiment toute cette grande famille en fait qu'on a fondée grâce à travers ce concours. Et ben, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année et la nouvelle année qui va arriver. Et ce sera avec grand plaisir une fois qu'on n'aura plus cette pandémie de venir vous rencontrer et faire des événements, participer à plein de choses.
Et voilà, ce sera avec grand plaisir. Et encore merci beaucoup, la page, d'avoir du monde en soi, chez soi. Je suis vraiment très contente. Et, elle est vraiment magnifique, la couronne. Et merci de nous avoir donné l'opportunité de nous faire connaître aussi à travers ce live ce soir. Avec grand plaisir. Comme je disais à Charles tout à l'heure, on viendra refaire un live ici quelques mois, c'est-à-dire 6 mois, 7 mois, cet été par exemple, pour pouvoir savoir où vous en êtes, pour savoir si vous avez l'occasion, l'opportunité de pouvoir aller à la rencontre de la communauté, je ne sais pas, peu importe. Et on espère voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos avec les couronnes. On attend que ça, de voir les couronnes sur votre tête, avec de belles tenues, avec de belles poses, etc. Donc, on a hâte de voir tout ça. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques mois, c'est-à-dire cet été, en espérant que tout se passe bien pour tout le monde. Sachez qu'avec la pandémie, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. Protégez-vous, protégez votre famille, faites attention. Je vous souhaite que du bonheur pour cette nouvelle année. Nyo Jongchong Chia, Shalala, Yanku Jongchia, Tene Lankompé. Maintenant, c'est une année qui est encore très difficile pour tous et pour toutes, mais cet événement nous a donné un punch pour nous dire que les Hmongs de France sont encore là. Les Hmongs de France en ont envie. Les Hmongs de France veulent avancer. Et que même si tu es un enfant d'un père français ou d'une mère Hmong ou inverse ou peu importe, Tu as une partie Hmong, donc tu es Hmong aussi. On ne rejette personne et ne te rejette surtout pas. Au contraire, sois fier. Sache que les métis, hein, ils ont un petit plus avec la personne en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Elles ont deux cultures. Majoritairement, je veux dire, elles sont d'un côté handsome and beautiful, faut le dire, hein, ça tel quel. Et donc, soyez fier de qui vous êtes. Acceptez qui vous êtes. On est en 2021. Comme je dis, Xion Shatiochi, l'année 75, c'est autre chose. 75, c'est l'arrivée des Hmongs, bien sûr. Je plaisante souvent avec ça, mais il faut le dire. On est en 2021, donc restons comme nous sommes. Apprenons. Les Hmongs, c'est flou. Notre histoire est floue, mais si on apprend tout ça, on peut y arriver pour pouvoir en faire part et pas dire qu'on est laotien ou chinois, je ne sais quoi. Et donc, voilà. Et donc, un grand merci à toi, Coralie. Charle-moi si tu nous entends. Un grand merci à toi pour votre franchise, pour avoir été vous-même, pour nous répondre à des questions qui sont peut-être personnelles, mais vous nous en avez fait part. Ce soir, ce n'est pas un débat. Donc après cela, je compte sur vous pour ne pas nous sortir tous ces trains-là. Après, il y en aura toujours, comme partout. Mais sachez que ce n'est pas un débat, c'est un live de rencontre, à la rencontre de notre Miss et Mister Hmong. Je pense que vous comme moi, moi comme vous, on a envie d'en savoir plus, on en saura plus, vous inquiétez pas. Et donc je vais arrêter parce que sinon ma bouche elle va continuer comme d'habitude. Et donc Coralie, en tout cas, merci pour ton temps. Et je te souhaite une très bonne soirée, merci très beaucoup. Bonne continuation. Nyoj, on s'en chia comme chez les Hmongs. Bonne soirée. Et reste comme tu es. Ok? Bah, merci, toi aussi, reste comme t'es et continue à nous faire passer des bonnes soirées sans nous faire trop dépenser. Ça marche. Chut, je peux pas le dire dans son live. Allez, bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée à toi. Et voilà, c'est terminé enfin notre live spécial. Interview à la rencontre de notre Miss et Mr. Hmong. Kujong Shia, Teneko, Molo Kanuni, on l'a compé. Père le Pak, il en manque, et j'en dis, ça salit ya. Père Watante, ya Chijon, te ya Chijon, j'ai ton moi, te ya, les sacs à paix, crando, alors ça, au des chants de toi, non, toi, trappé, ben, chez Crandon. S'il y a des choses qui nous ont pas plu, des choses qui peuvent être rectifiées, sachez que c'est une première pour nous de faire un live interview. N'hésitez pas à nous envoyer un message, on en discute. Sans discuter, il y a toujours des incompréhensions, pardon, j'arrive plus à trouver les mots. Mais en tout cas, le plus important, un grand merci. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde, il y avait de la famille, il y avait des amis, il y avait même ma famille, il y avait beaucoup de personnes qui nous suivaient sur notre page. Il n'y a rien de plus beau que ça. Et donc, je ne veux plus trop en dire parce que c'est vrai qu'il se fait tard. On est dimanche soir. Demain, il y en a pas mal qui vont aller travailler. Donc, on est chez d'œil. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Good night, coco Jean Nayan. Et ben ma Shinji d'ici quelques mois pour aller revoir. Pour
pour avoir des nouvelles de notre Miss Mister. Et donc, je vous dis à très bientôt chez Jean et Douane. Soyons fiers d'être nous, my name, moi d'ailleurs. Watch on, Shadow, d'ailleurs.